Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Bonsoir à tous, c'est le grand soir, tant attendu. Rendez-vous en Ovalie pour l'équipe de France, dans son stade de France, pour sa Coupe du Monde. Oui, il y a eu le match d'ouverture et la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Oui, il y a eu la phase de poule, les blessures d'Ntamack avant la compétition, la blessure de Dupont. Mais on est là, Toto sera là, le ministre de l'Intérieur, la machine, Antoine Dupont, le capitaine d'une équipe dirigée par Fabien Galthié. Ce soir, ce sera une question de stratégie, il faudra battre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. C'est la deuxième confrontation seulement en Coupe du Monde. La dernière remonte à 1995, la seule, l'unique en Coupe du Monde avec l'équipe de Pierre Berbizier. Et cette défaite qui nous fait tous du mal encore parce qu'on s'en souvient sur la pelouse détrempée de Durban. L'entraîneur, l'ancien joueur de l'équipe de France, Pierre Berbizier, sera notre invité ce soir. La compo des équipes dans un instant, voir si Dupont sera là ou bien là dans une demi-heure au rendez-vous face à l'Afrique du Sud avec Tony Molina, la petite revue de presse en duplex du Stade de France et l'ambiance avec Étienne Bonnet, bon ami, les dernières nouvelles, les dernières news ce soir, c'est avec Jérôme Armand, les réseaux sociaux avec Fabrice Arad qui vous racontera tout à l'heure comment faire pour nous rejoindre tout au long de la soirée. Le moyen le plus simple, si vous voulez débriefer avec nous, c'est le 09 78 09 09, notre numéro de téléphone. C'est Radio Sport ce soir pour nous accompagner aux commentaires de France-Afrique du Sud. Tout à l'heure, un joueur, un sacré joueur, un talonneur qui nous vient de Dax ce soir. C'est Max Delonca qui sera avec nous, avec l'un des partenaires de l'US Dakoise, Julien Lalanne. Et puis notre camarade de Sud-Ouest, notre confrère Archibald Jacquin sera à nos côtés également. On ira en Afrique du Sud, on retrouvera nos amis de la cravate et Aurore sera avec nous, Macon, notre préparatrice physique avant comme après la rencontre. N'oubliez pas la recette qui va bien à la mi-temps et un petit détour par l'Ellis Park en Afrique du Sud avec nos amis de sport et tourisme. Le programme est riche, on le comprend. Ce soir, c'est grand match, c'est big fight, c'est France, Afrique du Sud, coup d'envoi 20h au Stade de France. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Il y a une âme, et cette équipe, elle a une âme. De l'autre côté, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est un peu affaibli, mais qui aussi a soif de revanche de pouvoir se présenter au maximum. On est tous heureux qu'il soit là, et on attend tous que l'équipe de France fasse un immense match. Trois dernières années, ils ont battu toute l'équipe mondiale. Maintenant, à nous de jouer, et je suis très très confiant. Et normalement, sinon, la Web Ellis Cup, elle est pour nous. Ouais, on y croit tous, et on a envie que cette équipe-là aille au bout. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Tous les champions derrière les bleus, la nouvelle génération, si vous l'avez entendu, c'est pas n'importe quelle Coupe du Monde, c'est la Coupe Web Ellis. Bonsoir Jérôme, Armand, merci d'être à nos côtés ce soir encore. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous, quel plaisir d'être avec vous pour ce match excitant là. La légende du rugby, vous avez un petit côté Daniel Herrero avec... Pas le bandeau rouge. Non mais la petite barbichette blanche me rappelle un grand joueur, un grand entraîneur. Mais j'ai pas été un grand joueur, pas la à son niveau. L'info de l'après-midi bien sûr, c'est le troisième qualifié après hier, et de quelle façon, les Blacks bien sûr devant l'Irlande et l'Argentine, ce sera la première demi-finale cet après-midi. L'Angleterre, non sans mal, a réussi à battre les Fidji 30-24. Et encore une fois, Jérôme, comme hier soir avec les 37 phases de jeu pour les Irlandais qui n'ont pas réussi à bouger les Néo-Z à la fin, les Fidji ont tout tenté face à l'Angleterre. Alors les Fidji ont tout tenté, quelques caractéristiques sur ces matchs en commun, toutes les caractéristiques communes de ces matchs-là, c'est des matchs très serrés, trois matchs qu'on a vus pour l'instant, des matchs très serrés, et surtout des matchs qui auraient pu être renversés dans les cinq dernières minutes, aussi bien par les Fidjiens contre les Anglais que hier, que les Irlandais avec les Néo-Z. Hein. Très bien, c'est vrai que c'était formidable. C'est formidable. J'ai pas envie de revoir ce soir. C'est marrant, tu vois. J'ai beaucoup aimé ces deux phases de jeu, ces deux fins de match extraordinaires. Mais stop maintenant. Alors stop parce que nous on va pas tenir. Hein. Non, puis on va passer par tous les côtés, par les ailes, par Antoine Dupont, bien sûr. La compo des équipes, la confirmation avec Tony Molina. Dupont, capitaine, sera là. Et bien là, avec casque ou sans casque. Bonsoir à toi, Tony.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, Antoine Dupont qui va faire son retour. On l'a vu rentrer à l'échauffement avec son casque dans les mains, donc il jouera bien avec le casque associé à Mathieu Jalibert à la charnière. Pas de surprise dans le 15 de départ du 15 de France. On suivra bien sûr derrière nos deux ailiers, Damien Penaud, Louis Bielbarré. C'est déjà 10 essais à eux deux sur cette compétition. Et de l'autre côté, de l'expérience, beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est le deuxième 15 de départ avec le plus d'expérience de l'histoire. 880 caps pour l'Afrique du Sud. Donc voilà. Et la petite surprise, ça a été la charnière avec la titularisation de Cobus Reynac et Manny Libok. Mais voilà, il faudra surveiller sur le banc Faf de Klerk, André Pollard qui rentreront sans doute en seconde période et un banc en 5-3. C'est rare, c'est à noter pour l'Afrique du Sud. Enfin, Reynac joue dans le top 14, peut-être que c'est pour ça aussi, quoi. Il connaît Dupont, qui sait. Voilà, c'est une question de stratégie employée en tout cas et présentée par l'équipe d'Afrique du Sud face aux 15 tricolores, l'équipe de France, tous derrière les Bleus ce soir. On va établir la connexion dans quelques instants avec celui qui connaît formidablement les Bleus et l'histoire des Bleus. Il était de la première Coupe du Monde, on se souvient, 87 en tant que joueur, puis entraîneur notamment pour cette demi-finale à Durban le 17 juin 95. Pierre Berbizier sera notre invité dans quelques secondes. Le temps de retrouver Aurore, évidemment, Macon pour la préparation des équipes, alors qu'on a aperçu il y a quelques instants, évidemment, ces Bleus tous réunis, tous prêts à ce coup d'envoi qu'on attend maintenant dans, allez, même pas 20 minutes, hein. Il y aura les hymnes, donc dans 24 minutes, le coup d'envoi au Stade de France. Bonsoir Aurore. Bonsoir. On a beaucoup parlé, c'est un mot nouveau pour moi, hein, mais il existe dans le dictionnaire depuis longtemps, dans le petit Robert ou Larousse, hein, ça s'appelle la physicalité. Ce soir, on doit faire face à cette épreuve-là que nous propose et que nous prépare l'Afrique du Sud. On va tomber dans le dur ? On va tomber sur du très dur, je pense. Ils vont mettre la barre très très haute dès le début du match pour essayer de nous empêcher de rentrer dans notre jeu, parce que je pense que si on arrive à installer notre jeu... ça va être compliqué pour les Sud-Africains de suivre, je pense, au niveau rugby. Eux, ils vont vraiment essayer de nous mettre de l'intensité physique, parce que c'est ça plutôt leur jeu, et c'est là-dessus qu'on les attend. Aurore, généralement, vous qui préparez les joueuses, hein, de diverses équipes, vous qui êtes kiné, juste un petit mot, un aparté, mais hier, tu te remets comment d'un match comme le match de Néo-Z ? Ça veut dire que tu attends 4 jours avant de te réveiller, avant de te lever, après un match comme ça ? Alors, je pense qu'ils ont l'habitude quand même, les corps, le corps a une mémoire, et donc ils ont l'habitude quand même de prendre des chocs comme ça. Mais là, je pense en effet que la récup pour eux, elle a commencé même dès la sortie du terrain par des bains froids, par une bonne alimentation, une grosse hydratation. Ça commence vraiment tout de suite. C'est presque une course contre la montre, parce que la compétition là, elle commence à être longue. Et je pense que c'est presque le plus important, c'est plus maintenant d'aller s'entraîner sur le terrain, c'est vraiment les phases de récupération. Et Dupont, c'est tout bon pour vous aussi, Aurore ? Il n'y a pas de souci ? Eh ben, on espère qu'il fera un gros match et puis qu'il mettra un peu un terme à toutes les chamailleries qui se font, qu'on peut lire un peu partout. Oui. Mais après, il faut qu'il évite évidemment les attaques des Sud-Afrique. On verra ça ensemble, on va surveiller, je sais que vous ferez, avec votre œil avisé, vous l'experte radiosport en matière de kiné, en matière de préparation physique. Aurore, on vous retrouve après la rencontre, il y aura beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde au Dubiban ce soir, nous sommes en direct dans cette fan zone incroyable, tout comme au Stade de France. On va retrouver pour sa mini revue de presse ce soir, Étienne Bonamy qui se prépare à monter ensuite dans la tribune. Bonsoir à vous Étienne. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde à Osgore et bienvenue à Fort Knox. C'est ainsi que l'équipe nomme le Stade de France ce soir, où les Bleus vont affronter l'Afrique du Sud. Le Stade de France, où l'équipe de France a gagné 24 des 25 matchs qu'elle y a disputés. C'est dire si l'enjeu est important pour ce quart de finale. Le grand combat, le quotidien sportif annonce que ça va être un choc. Sera-t-il aussi important et aussi musclé qu'hier entre Irlande et Nouvelle-Zélande ? On l'espère en tout cas, vous entendez derrière moi, ça chante et tout à l'heure ça va jouer à fond. Bon match à tous. Bon match. Attends Étienne, mais si tu peux nous envoyer quelques petites images là, et nous retrouver dans quelques instants avec les supporters derrière toi, ça serait pas mal avant le coup d'envoi 21h. Bonsoir Monsieur Fabrice. Bonsoir à tous. Comment rejoignons-nous généralement notre belle radio, notre beau site ? Alors ce soir on commence par le site internet, radiosport.fr, sport avec un S, il n'y en a pas qu'un. Dailymotion, YouTube, Twitch, Facebook, X, Twitter, l'application, je vous la conseille parce que vous avez également tous les podcasts radio vélo et tout le reste, la web radio, hein, bien sûr, que vous écoutez dans la voiture, et les podcasts à retrouver. Très bien, il est 20h40, plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.
grand témoin ce soir, Pierre Berbizier, qu'on a plaisir à retrouver, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur qui est avec nous, notre ami également confrère en ce moment pendant la Coupe du Monde du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir à vous, Pierre Berbizier. Bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver sur l'antenne de Radio Sport avec Étienne Bonamy, avec Jérôme Armand et Fabrice Arade. On est content de vous avoir parce que on vient de vivre encore une fois des quarts de finale assez extraordinaires avant le nôtre. On sort encore d'un quart de finale. Il y a eu les Blacks hier et puis même cet après-midi, les Anglais ont souffert pour l'emporter face aux Fidji. Et c'est pas fini, on espère. Donc je crois que cette Coupe du Monde est enfin lancée après une première partie un petit peu longue, hormis le match Afrique du Sud-Irlande. Je crois qu'on est rentré maintenant dans cette Coupe du Monde et les prétendants au titre sont en train de s'expliquer, donner le meilleur, ce qui donne des matchs de très haut niveau. Ah, c'est le vrai grand départ. Hein. Et pourtant, nous sommes le 15 octobre d'une compétition qui a démarré le 8 septembre. Quoi. C'est 15 jours formidables, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y en a encore devant nous. Là, maintenant, ça va s'accélérer. On devrait assister au meilleur de cette Coupe du Monde. Ce dernier match, les Anglais contre les Fidjiens. Ce soir, j'espère aussi. Et cette Nouvelle-Zélande, Irlande, qui a été exceptionnelle. Exceptionnelle. Je vous ai bien lu ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Vous parlez de continuité pour les Bleus contre une équipe qui joue la rupture côté Afrique du Sud. On parle aussi beaucoup de physicalité. C'est de la pure stratégie à ce niveau-là maintenant entre Français et Sud-Africains? Oui, il y a une part de stratégie. En tous les cas, la stratégie et le choix des hommes choisis par l'entraîneur sud-africain ne correspondent pas à mes yeux au style sud-africain qui se passe délibérément de deux buteurs, de Clerc et Pollard. Donc, et qui a fait confiance obstinément à un ouvreur qui n'est pas un buteur. Donc ils ont perdu contre les Irlandais, oui, avec 11 points manqués. Et donc partir sur un match de ce niveau sans buteur, peut-être qu'il se réveillera aujourd'hui, et partir sans l'expérience d'un De Clercq et d'un Pollard. Donc ils partent pour une stratégie offensive apparemment, ce qui est étonnant quand on connaît le rugby de base des Sud-Africains, qui est plutôt un rugby d'affrontement et non pas un rugby de passe. Ouais, étonnant, Jérôme Armand. Oui, clairement, Pierre Berbizier, vous êtes très surpris de cette composition. Oui, je suis surpris. Je le répète, ça ne correspond pas au jeu sud-africain tel qu'on le connaît. C'est un petit peu à l'opposé de leur ADN. Un rugby qui est fait d'engagement, de force virile, de grosse intensité. Et sur ce match, ils mettent des joueurs qui sont plutôt faits pour le jeu au large. Pourquoi pas? Donc maintenant, c'est ceux qui correspondent mieux à la défense française et les contre-français. Donc on verra bien. Peut-être que c'est la bonne stratégie pour les Sud-Africains. J'attends de voir le match. Mais étonnamment, c'est un petit peu contraire à leur ADN, à leur réalité de tout temps. On revient à nous, on revient à l'équipe de France, hein, Jérôme, Fabrice, Étienne et Pierre Berbizier. Vous êtes un demi-mêlée de génie, on n'a pas oublié, avant de devenir entraîneur, on en reparlera dans quelques instants. Vous êtes de la finale 87, la première de la finale de Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Cette équipe est entraînée par Galtier, que vous aviez rappelé à l'époque aussi quand vous étiez entraîneur. Et là, on a un cas qui s'appelle Antoine Dupont, qui est un numéro 9, blessé, peut-être casqué ce soir. Est-ce raisonnable de le faire jouer? Est-ce que ce sera le, vous savez comme on dit aujourd'hui, le facteur X déterminant pour l'équipe de France ce soir? Oui, ne faites pas croire que c'est qu'une histoire de demi-mêlée, sinon les autres vont se vexer. Mais vous êtes des filous, vous êtes des génies. Mais écoutez, à la distribution, on n'était pas les plus favorisés, donc il faut, comme on a envie de participer, il faut trouver les moyens. Et donc oui, Antoine Dupont avec cette blessure et qui s'engage en définitive, je pense que s'il s'est engagé, c'est qu'il a confiance en lui, il a confiance en ses moyens, avec une
une protection. Donc, je crois qu'il a dû l'essayer. Il a dû. On verra bien. Hein, donc, je pense qu'il peut être à 100% s'il le dit, s'il le pense. En tous les cas, on sent qu'il a envie de jouer ce match. Il a la motivation. Et je comprends ce choix-là. On a un rapport, le rugbyman a un rapport à la blessure qui est différent. Beaucoup de joueurs ont joué avec des blessures, bien évidemment. Oui, oui. Oui, et en plus, donc cette équipe de France va être poussée par le 16e homme, par le public du stade de France, soir, bah oui. Complet ou presque, en tout cas complet, stade complet, mais presque tous pour l'équipe tous de France. Tous derrière les bleus, monsieur. Tous derrière les bleus, on y est évidemment, donc le public va pousser, tout le peuple français va aider, forcément. Alors c'est une pression positive conçu, créé, suscité ce 15 de France qui a suscité l'engouement aujourd'hui de toute la France. Et bien évidemment, c'est un avantage ce soir par rapport à nos adversaires. Ce public va pousser. Maintenant, attention, ça peut devenir une pression négative si effectivement on ne répond pas à l'attente qui a été suscitée. L'attente est énorme. Il faudra être à la hauteur de cette attente sur le terrain, à la hauteur de ces ambitions clairement affichées. Pour la bande à Dupont, bien sûr. J'ai une question de piège avant de remercier Pierre Berbizier. Quand même, question de piège pour vous, Jérôme. Connaissez-vous la date de naissance, pas l'année, hein, le jour et le mois de naissance de Pierre Berbizier? Pas facile. Hein. Pierre, aidez-moi. Je peux faire appel à un ami? Bah, appelle Pierre Berbizier. Alors Pierre, dites-moi. Oui. C'est un 17 juin. Le mois, voilà, le 17 juin. Ouais. Bah, ouais. 17 juin. Ouais. Je vous dis ça parce qu'un 17 juin 1995, sous la pluie à Durban, l'équipe de France a perdu avec Pierre Berbizier comme entraîneur, avec des décisions, on va le dire, géopolitiques, hein, même pas que politiques, bien sûr, Pierre Berbizier. Vous me rappelez de bons souvenirs. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on vous a invité. C'est un bel anniversaire. Oui, bon. Oui, ben écoutez, c'est le match. Oui, c'est un match très dur et encore la cicatrice n'est pas refermée, ne se refermera jamais. Donc, par rapport à ce vol, par rapport à cette dimension politique qu'il a emporté sur la dimension sportive, des gens qui, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, se sont permis de faire ce qu'on leur a fait quand ils n'y étaient pas. Donc, c'est-à-dire prêt à tout pour profiter de cette Coupe du Monde. Et voilà, donc bon, on l'a compris bien après. Je pense que cette équipe de France méritait d'aller au bout. La dimension politique l'en a empêché. C'est un rêve qui, pour tout ce groupe-là, qui s'est envolé. C'est dur, effectivement, quand on a une seule ambition sportive. C'était la fin de génération en plus. On en parlait il y a 48 heures avec Abdelatif Benazi, qui était là aussi à vos côtés, qui était sur le terrain. On nous a volé notre rêve. Ça, c'est vous, dans le Parisien, il n'y a pas longtemps. Mais quelque part, 28 ans après, on a l'impression de se dire, bon, c'est un moment clé. Et bien, aujourd'hui, comme c'est notre deuxième match contre eux, simplement dans la compétition, c'est le moment de récupérer notre bien. Quelque part. Oui, on l'avait pas perdu puisqu'on l'avait pas gagné donc sur le terrain. Donc oui. Je leur demanderais plutôt de penser à eux et pas de penser à nous. Je crois qu'il faut qu'ils pensent fort à eux, qu'ils écrivent leur destin, qu'ils écrivent leur histoire. La nôtre a été contrariée. La leur peut être très belle et je leur souhaite effectivement du fond du cœur. Pierre Berbizier, pour conclure, pour être vraiment complet, il y a juste quelque chose qui nous dérange complètement. On a bien compris le problème géopolitique. On est juste après l'apartheid, c'est Nelson Mandela en 95. Mais depuis, plusieurs joueurs nous ont quittés côté sud-africain. C'est quelque chose qui aujourd'hui, quand on voit que les contrôles ne sont pas bien respectés non plus dans les rangs sud-africains, qui vous gêne encore aujourd'hui? Écoutez, ça n'a gêné personne à l'époque. Au contraire, on a valorisé cette victoire au nom de la nation arc-en-ciel. Que je sache, Soweto, Kalisha, les ghettos noirs existent toujours. La condition sud-africaine n'a pas évolué, alors qu'on nous avait promis que ça allait permettre justement le rassemblement de la nation sud-africaine. Donc voilà, c'est quelque part, je laisse à chacun le soin de juger. Et
et de voir effectivement, comme vous dites, il y a eu des morts, donc je laisse à chacun le soin de penser à quel prix effectivement on a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. C'est en 95. Ce soir, c'est une toute autre rencontre. France, Afrique du Sud. On aura le plaisir. Si jamais on va au bout, on se rappelle, hein, Pierre Berbizier, parce qu'on a envie que ça aille au bout. Bien sûr, hein, avec plaisir. Et j'espère, ça voudra dire qu'on avance et qu'on est toujours en course. Ouais, ça serait avec bien, plaisir. Ça serait bien qu'on en gagne une petite, quand même une énorme de Coupe du Monde. Oui, une Web Ellis à la maison. On est la seule nation majeure qui ne l'a jamais été. Donc, c'est l'année et la compétition ou jamais. Pierre Berbizier, mille merci de la part de toute l'équipe de Radio Sport. C'était vraiment un bonheur de merci vous avoir vous. Pour parler d'aujourd'hui, de cet avenir à court terme comme du passé, oui, bien sûr. Bonne continuation chez nos amis d'aujourd'hui en France, Le Parisien. On a plaisir à vous lire, vous le savez. Tous les matins, on réveille sur le papier, même on adore que ce soit sur les sites également, parce que c'est la nouvelle mode. C'est comme ça, c'est la génération 2.0. Mais bonne soirée merci à vous, bon match ce soir. Merci Pierre. Et bon match à vous aussi, au revoir. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. On a pris le temps avec Pierre Berbizier, on a bien fait Jérôme, parce qu'on va plonger dans l'ambiance maintenant. Dans 10 minutes, c'est le coup d'envoi de ce quart de finale tant attendu pour rejoindre évidemment l'Angleterre qui a battu les Fidji à l'heure 30-24, la France face à l'Afrique du Sud. Mission accomplie pour Étienne Bonamy, envoyé spécial ce soir au Stade de France. Ah oui, ah c'est la pause pipi, pardon, dérange Étienne. Hein. Ah oui, mais c'est normal, faut tenir après, c'est long 80 minutes. Hein. Ben oui, vas-y, te gêne pas pour nous. Ah, t'as trouvé des supporters. Allez, supporters, allez. Un petit pronostic pour ce soir. Ah, les Bleus, bien sûr. Évidemment, les Bleus. Évidemment. C'est la première fois que vous les voyez jouer ici, là, ou vous avez... Non. Toute la Coupe du Monde, vous avez suivi. Non, le petit club, contre Nouvelle-Zélande. Ouais. On a gagné. Voilà. On a gagné le soir. On a gagné. Donc, vous revenez ce soir, et puis on... la semaine prochaine. Voilà. C'est quoi? Vous êtes qui? Le gang des connasses? C'est quoi? Alors nous, on vient de Nantes. De Nantes? Nancy. Et Lorraine, alors regardez Lorraine. Magnifique. Oh, on a Lorraine. Ah oui, quand même. Et vous suivez tous les matchs des Bleus? Ah, vous sommes les quarts. Déjà pas mal. La demi-finale aussi? Bah, à la télé. À la télé? Ouais. À l'apéro. Et vous jouez au rugby? Ouais. On a joué, ouais. Et on joue encore. Ah, vous jouez encore? Pas toutes, mais. Pas toutes, mais certaines. Ouais. Et vous êtes combien ce soir? 6. Ah. Et bah, bon match à vous. Merci. De même. De même. Il n'a pas osé, Étienne, mon ami. 6 connasses. Donc, si on en trouve une à la fin, c'est bien. Ce serait sympa de les avoir après le match. Oui, c'est bizarre. Oui, de s'appeler comme ça. On leur demandera tout à l'heure, hein, quand même, l'explication. On est au Dubiman. Vous le savez. C'est rendez-vous en Ovalie sur Radio Sport. Et tiens, deux invités avec nous. Avec Mathilde, c'est bien ça? C'est ça. Bonsoir. Et Christophe, qui vient de nous rejoindre. Vous êtes dans la fan zone. Bonsoir. Ça monte aussi en puissance avec les bandas, hein, ce soir. Un peu, ouais. Un beaucoup peu même. Beaucoup. Beaucoup même. C'est vrai, ça vous plaît cette ouais. ambiance? Ouais, c'est chouette. C'est chouette, Christophe. C'est mieux de venir comme ça avec nous ou de rester à la maison tranquille? Je crois que c'est beaucoup mieux d'être à la fan zone. On est toute faite, hein. Tout ici, hein. Tout ici au Segor. Hein. Bah, tout au Segor est là. Hein, ouais, tout au Segor est là. Tout au Segor est là. On est toujours à cette fan zone et ce soir on va gagner, c'est sûr. Bah, vous avez porté chance déjà. Vous étiez venu pour France-Nouvelle-Zélande alors? Je suis venu à tous les matchs. Bah, tous les matchs. Donc ça va, vous tous portez les chance. Matchs, tous les vous matchs. Pouvez rester, vous Mathilde aussi? Pareil. Ouais, c'est fantastique. Pareil. Allez, les planètes s'alignent ce soir. Bien sûr qu'on va la gagner cette Jérôme année. Tout est prétexte à la fête, hein, ici à Osgore, mais ce soir, c'est ça doit être la grande fête. On décrète. On décrète. On décrète. D'accord. C'est donc la on va se fête. Qualifier. Je rappelle que la première demi-finale va donc opposer la Nouvelle-Zélande à l'équipe d'Argentine et que la France ou l'Afrique du Sud va donc retrouver l'Angleterre la qui s'est imposée 30-24. Merci à tous les deux. Vous revenez à la fin du match? Bien sûr. Hein, quoi qu'il arrive, d'accord? Avec plaisir, ça marche. Christophe, Mathilde, merci à vous. À très bientôt. Merci à vous. Je vous libère. Vous pouvez passer devant les caméras ce soir, c'est la fête. Ça parce marche. Que Archibald vient de nous rejoindre, Jacquin, notre excellent confrère du Sud-Ouest et qui est d'ailleurs à Sud-Ouest. Salut à toi. Salut à tous. Merci de revenir avec nous pour des grandes soirées. Avec plaisir. Parce que tu portes bonheur. Salut les jeunes, hein. Attention, hein, attention avec les béquilles et tout. Ah, oui. Tu vas recevoir parce que les hymnes vont arriver avec Tony Molina. Rentrez avec les Dakois qui arrivent à l'instant, avec celui qui a marqué un essai fantastique, même après la défaite contre Vannes, le talonneur Max Delonca qui arrive le beau maillot blanc si vous nous suivez sur le site internet. Et puis l'un des partenaires de l'US Dakois. Dakoise Dakoise hein. Oui, j'ai dit Dakois. Bah oui, Dakoise. Mais à quoi alors? La Dakoise aux yeux noirs.
je t'apprendrai la chanson. Avec nous, Julien Lalanne. Les hymnes à venir, Tony Molina, on se met en place pour vivre une grande soirée. Vous avez la priorité, bien sûr, ce soir, avec Capitaine Dupont, tout à l'heure pour le coup d'envoi qui sera donné par l'Afrique du Sud. Les joueurs qui viennent de rentrer sur la pelouse du Stade de France, on sent la concentration, la tension, c'est un gros match qui nous attend et les hymnes qui vont retentir dans quelques instants au Stade de France. Oui, c'est un moment toujours impressionnant, c'est vrai, ce stade est plein, on l'a vu, il y a de l'ambiance de tous les côtés. On va surveiller vos messages également sur les réseaux sociaux toute la soirée et après n'hésitez pas, hein, venez nous rejoindre, 09 78 et 3 fois 09 derrière pour venir nous rejoindre en direct après la rencontre. Ce soir, au Stade de France, comme depuis le début des quarts de finale, avant l'hymne, normalement français en premier, puisque c'est l'Afrique du Sud qui va tout à l'heure engager. Minute de silence, bien évidemment, en hommage aux victimes des tout derniers attentats dans le monde entier, hein, qu'ils soient commis entre le peuple d'Israël et la Palestine en ce moment, dans la bande de Hamas. Et bien sûr, on a une grande pensée à tout le corps étudiant aujourd'hui, après les manifestations d'Arras. Et à ce propos, hein, demain, la rentrée a été décalée pour les enfants, faut le noter si vous nous suivez ce soir, à 10h du matin, ce qui va permettre aux professeurs dans les écoles de se recueillir et de parler de ce qui nous arrive aujourd'hui, de ces menaces qui vraiment mettent à mal notre démocratie et notre vie à tous, comme on est ce soir au Dubiban, parce que nous sommes un peuple dans cette démocratie française, nous aimons faire la fête et montrer qu'on est là, unis surtout, de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, et c'est la leçon qu'on doit retenir de tout ce qui se passe en ce moment et d'être soudés pour éviter la barbarie. Minute de silence avec le président Macron qui est venu, qui a fait le déplacement ce soir au Stade de France pour encourager les Bleus face à l'Afrique du Sud pour ce quart de finale. Minute de silence que l'on respecte ici, bien sûr, dans la fan zone du Dubiban. Vous l'entendez également ici. Pas de bruit, et un tout petit peu de bruit simplement qui arrive maintenant du Stade de France puisqu'on se termine. Tony Molina, cette minute de silence avant les hymnes. Minute de silence qui vient de se terminer, qui a été respectée au Stade de France, comme vous l'avez dit, et les hymnes à présent. Avec notamment, et normalement, la Marseillaise pour le capitaine Dupont, qui jouera avec ou sans casque ce soir, avec encore la petite trace à l'œil droit, après la fracture à la pommette, bien sûr, et son muscle zygomatique. La France, le coq est là, prêt à se dresser. Marseillaise qui résonne encore plus fort dans nos cœurs ce soir et dans nos têtes après tous ces événements, bien sûr. Le Stade de France en fusion avant ce match ô combien important dans notre Coupe du Monde. Le Stade de France, théâtre en 98 d'un sacre de champion du monde pour les footballeurs. Et on l'espère maintenant pour les rugbymen, ce serait une première depuis 87. L'hymne sud-africain.
habiter les joueurs sud-africains, évidemment, ce soir au Stade de France. Eux, les champions du monde entier. Je me tourne tout de suite vers Max de Loncal, talonneur de Dax. C'est des frissons incroyables, le Stade de France, pour vous qui êtes joueur, hein, qui avez joué encore il y a 48 heures. Se retrouver comme ça au Stade de France, quand on pratique son sport préféré, ça doit être juste impressionnant. Bah ouais, moi, je ne me suis jamais retrouvé. Hein. Ah bon ? Bah nous, à Boyau, on joue devant 4000 personnes, c'est déjà beau. Quand on marque des essais comme on a marqué il y a deux jours. Mais là, je crois que c'est quand même un cran au-dessus. Et je pense que, comme dirait notre compère Benjamin Kaiser, je pense que ce soir, ça va être un match féroce. Ça va être un match féroce, on dit. On a employé un terme que moi, je ne connaissais pas spécialement, qui est la physicalité, Archibald. Tu connaissais, toi, ce terme ? Non. Et tu as remarqué aux conférences de presse, 3-4 rugbyman, à mon avis, ils ont dû se passer le mot. De temps en temps, tu dis, on va dire aubergine ce soir ou ventrèche, tu vois. Et ils ont dit, on va dire physicalité ce soir. Ah ben, on aime bien les nouveaux termes. Hein. Les néologismes. Les finisseurs pour ouais. Galtier, ça c'est un peu le nouveau truc à la mode. Voilà, donc il y a de nouveautés à chaque Coupe du Monde. Toujours, à chaque Coupe du Monde, bien sûr. Avec un petit jeune, par exemple, sur le côté, comme Dialbiaré, il y a toujours des petites nouveautés dans les compositions. Julien Lalanne, qui nous rejoint également, était au Stade de France hier soir. Hein. Oui. Vous êtes régalé, non ? C'était formidable. Ouais. La marée verte, qui a fini par marée basse, mais qui a été une vague extraordinaire en début de rencontre. Comment on vit comme ça quand on voit 37 phases de jeu quoi, à la fin alors, et les Irlandais débuter. Disons qu'il y avait quand même un sentiment d'impuissance. Hein, les vagues vertes se succédaient, mais sans jamais vraiment créer une incertitude telle qui leur a permis vraiment de gagner. Et on s'imaginait le match d'aujourd'hui. On pense quand même que les individualités... Nous, les nôtres, vont faire la différence. C'est ce qu'on va dire. On se dit, la même situation, on marque. Voilà, allez, c'est ça qu'on se dit. On y va. Priorité aux commentaires. Vous connaissez l'exercice ici, hein, sur Radio Sport, dans ce Radio Canapé, puisque c'est Tony Molina qui a la priorité, lui, le commentateur vedette de notre radio ce soir, pour nous régaler, comme hier, pour ce match des Blacks, hein, qui était juste incroyable face à l'Irlande, la meilleure nation mondiale aujourd'hui. La France, pour le tout dernier quart de finale, a une place face à nos meilleurs ennemis. Nos amis, je ne sais pas. Les Anglais, bien sûr, en demi-finale. France, Afrique du Sud. Tony Molina, c'est parti. Le coup d'envoi qui va être donné par Manili Bok, qui va taper Ben O'Keefe, l'arbitre de la rencontre, vient de siffler. C'est parti au Stade de France. France, Afrique du Sud. Dernier quart de finale de cette Coupe du Monde de 2023 avec Antoine Dupont déjà avec son casque bien vissé sur la tête qui va dégager les Bleus après ce coup d'envoi qui a été parfaitement capté par l'équipe de France. Le ballon qui reste pour l'instant dans l'air de jeu, le ballon qui va être relancé là par les Sud-Africains là avec RNC qui est venu attaquer la ligne, qui a été arrêté. On est rentré dans le camp de l'équipe de France sur la ligne des 40 mètres. Pour l'instant, on contient bien les offensives sud-africaines. On passe déjà par un jeu au pied là du côté de l'Afrique du Sud, une longue chandelle, attention, il y a du danger, mais Thomas Ramos est là. Thomas Ramos est au rendez-vous, il a parfaitement capté ce ballon et on est en train d'arriver avec les soutiens et Antoine Dupont qui va mettre les mains sur ce ballon. Il va le sortir ce ballon sur le côté gauche avec Charles Olivon là qui est venu percuter, qui a avancé de quelques mètres et là on va repasser par un jeu au pied par-dessus. C'est bien fait, peut-être là ce que vient de faire Antoine Dupont. Mathieu Jalibert a suivi. Est-ce que Mathieu Jalibert va pouvoir capter ce ballon? Oui, il a récupéré ce ballon. Mathieu Jalibert, on est rentré dans le camp des Sud-Africains. On est tout près des 22 mètres et Antoine Dupont qui repasse par un jeu au pied. Ça va être suivi par Louis Biel Barré. Est-ce qu'il va être trop court? Oui, il a été repris. Tout court par un Sud-Africain, mais il y était presque, Louis Biel Barré, l'ailier français. On a enchaîné des jeux au pied là par Antoine Dupont. C'était très bien fait. On va voir ce qui va être décidé par le corps arbitral si le ballon a été sorti. Non, ça va être un renvoi d'en-but pour les Sud-Africains. Et coach, c'est bien parti parce que moi, vous savez que j'adore des petits coups de pied. Alors oui, on a pris deux essais sur coup de pied. On a failli marquer là sur un coup de pied. En tout cas, même s'il n'y a pas essai, l'intention, elle est là. On voit que les Français ont envie d'y aller. Hein. Bah, c'est-à-dire que dès la première minute, hein, c'est vrai, on le sent, tu as envie de passer à l'offensive. On s'est fait surprendre, tu te souviens, hein, par la Nouvelle-Zélande, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qu'on décide déjà, Tony? Vas-y. Ça sera un renvoi d'en but. Renvoi d'en but, hein, logiquement. C'est ce qu'a décidé l'arbitre et le ballon qui va revenir rapidement dans les mains des Bleus qui seront sur la ligne des 40. Allez, avec Charles Olivon là qui réattaque la ligne une nouvelle fois. Gros bouchon là sur Etsebet qui l'a arrêté. Mais les Bleus sont une nouvelle fois tout près là des 22 mètres sud-africains. On passe par les gros là avec Grégory Aldrit qui est aidé là par ces deux piliers. Il faut relâcher, l'a dit l'arbitre là parce que sinon ils seront pénalisés les Sud-Africains. C'est ce qui est chose qui a été faite. Allez, les Bleus cette fois-ci avec Winnie Antonio, 147 kilos. Winnie Antonio, il a avancé de quelques mètres. On repasse avec Cyril Bay cette fois-ci. Beaucoup d'envie là chez les Bleus là d'entrée. On veut marquer le territoire. On va partir sur les ailes avec Damien Penaud qui tente jeu au pied qui a été contré, mais voilà, il y a de l'idée dans ce que tentent les Bleus. On tente des petits coups de pied par-dessus et pour l'instant on
surprend pas les Springboks, mais c'est pas mal ce début de match pour l'équipe très de France. Très gros début de match, Archibald, c'est ce qu'on voulait de la part des Français. Hein. Ouais, on voit, il y a de la confiance hein, pour tenter ces petits coups de pied, pour tenter ce qu'ils sont en train de faire. Il y a beaucoup d'alternance. Ils sont bien rentrés dans leur match. Apparemment, la pression les affecte pas trop. Attention, parce que Julien Lalanne est dans le match. Hein. Ouais, ouais. Il y a la table qui tremble à chaque action. C'est le premier quart d'heure. Il va me plaquer bientôt. ne vous vengez pas sur votre première touche française qui a été parfaitement captée par Camono, qui est le ballon porté, qui s'est organisé, qui avance là du côté des Bleus. Les Bleus qui sont tout proches. On n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne d'en but. On continue là. On est passé avec Piatto Movaca. Il a été arrêté par la défense, mais le ballon porté a gagné 20 mètres. Il y a un avantage pour l'équipe de France. On va pouvoir tenter quelque chose. Antoine Dupont qui passe à Damien Penaud, c'est l'ouverture du score de Cyril Bailly, le pilier français qui est venu aplatir en coin. Passe décisive de Damien Penaud, magnifique. L'équipe de France qui mène déjà 5-0 après 3 minutes de jeu au Stade de France. Les hommes de devant qui marquent, ça doit vous faire terriblement plaisir, Max Delonca. Ouais, mais surtout que depuis, ça fait 3 minutes que les Français gagnent les impacts. Ils avancent sur chaque ballon qu'ils prennent, ils sont très bien entrés dans la partie. Et c'est, ils sont juste très bons, non ? Ouais, oui, ils sont au niveau, quoi. Ils sont très bons, ils sont très prêts, surtout. On est presque surpris de voir aussi bons dans un début de première période, on s'en souvient. Hein, on a beaucoup tremblé, c'est vrai, coach, hein, Jérôme, depuis le début de la compétition. Oui, oui, les Français démarrent pas toujours bien, mais enfin là, c'est de bon augure, hein, nous espérons, évidemment. Avec, comme l'a dit Max, de l'impact, de l'intensité. Ils ont avancé à chaque fois sur chaque ballon, on s'est installé dans le camp. Et finalement, ça finit par laisser. En gros, on ne les laisse pas respirer, c'est ça un petit peu le truc, non ? Ah bah là, carrément, il y a même, ils ont sur la cocotte, ils ont soulevé de ces bêtes là, ils l'ont pris avec le pack là, donc c'est, ils sont dans leur match. Ils sont dans leur match. Transformation à venir de Monsieur 100%, on va l'appeler comme ça, et on espère que ça va durer jusqu'au bout. Tony Molina. Thomas Ramos, transformation en quoi ? On est allé aplatir vraiment tout proche de la ligne de touche. Il lui reste 20 secondes, il va. C'est lancé l'arrière de l'équipe de France. Est-ce que ça part bien ? Non, ça si. Est-ce que ça passe ? Non, ça oui, oui, ça passe. Oui. Les drapeaux se sont levés. Ça paraît être trop court, mais non, ça passe. 7-0 pour l'équipe de France. Début parfait, début rêvé pour les Bleus au Stade de France. On va voir au ralenti quand même pourquoi la transformation était aussi longue à être validée par le corps arbitral. On a mis le temps de lever les petits drapeaux. C'est pas les drapeaux bleu, blanc, rouge des supporters. Mais ça fait du bien. Hein. Tu pars avec 100% parce que cette transformation, elle était vraiment complètement en coin après l'essai de Bailly qui fait un bien immense. Quel travail de toute l'équipe de France. Et les petits coups de pied d'inspiration. C'est un pur bonheur, Jérôme, ce début de match. Oui, oui. Alors, on remarque. Hein, donc, il y a beaucoup d'intensité. Pas de temps mort. Il n'y a pas eu encore une mêlée. Il n'y a pas eu une touche. On verra. Mais c'est beaucoup d'intensité. Et ça, je pense que c'est voulu par les Français. Hein. Alors, souvent dit, hein, c'est vrai, Archibald, attention à la réaction quand tu as pris. Ouais. Là, c'est important de bien ressortir du camp, ce qu'ils font admirablement bien. Là, il y a beaucoup de maîtrise du côté français. Attention à cette attaque. Tony. On est reparti avec une relance sud-africaine après que ce ballon ait été dégagé par Mathieu Jalibert. On est sur la ligne des 40 de nos Bleus. Le ballon qui a été volé par Piatto Movaca. Piatto Movaca qui est parti. Il va être arrêté. Là, Piatto Movaca. Mais nouvelle contre-attaque. Là, les Bleus. Ça peut aller très vite sur la gauche. Antoine Dupont l'a vu. Il va partir sur les ailes. Il y a un surnom. Il y a un 3 contre 1 à jouer pour les Français avec Thomas Ramos qui trouve Gaël Ficou. Il a loué bien le barré sur sa gauche. Il préfère y aller. Gaël Ficou. Il a été arrêté à 1 mètre de la ligne. On est tout proche. C'est Mathieu Jalibert qui vient sortir ce ballon. Et maintenant, on va passer par du jeu avant. On est à 5 mètres de la ligne d'en but sud-africaine. C'est Jonathan Danty. Est-ce qu'il va aplatir ? Non, Jonathan Danty. Il a été arrêté à quelques centimètres. Antoine Dupont qui a une nouvelle fois les mains sur le ballon. Il part sur le côté gauche avec Damien Penaud. Ouh, là, un avant volontaire, là, sans doute des Sud-Africains qui va être signalé. Ou pas, le ballon qui revient dans les mains sud-africaines. On va voir, c'était étonnant ce qui s'est passé. Le ballon peut-être en arrière sur l'interception. On reverra sans doute au ralenti. En tout cas, le ballon qui est revenu dans les mains sud-africaines qui vont pouvoir dégager. Ça a été très, très, très chaud pour les Sud-Africains là. Est-ce qu'on va se dégager de suite ? Oui, il en est en train d'organiser. Dommage, il y avait un choix peut-être meilleur à faire sur Cobus Reynac. Partir au grand large. Cobus Reynac qui dégage en touche. Est-ce qu'on la joue rapidement du côté des Bleus ? Non, on va revoir cette action. On va revoir ce qui s'est passé en avant. Très bizarre. Que dit le joueur ? Tiens d'abord, que dit Max Delonca ? Sur l'action du Sud-Africain. Je suis pas arbitre. Non, mais on appellera. T'inquiète pas, on a un arbitre à nous, qui est Adrien Marbeau, que tu connais, qui est arbitre réserviste. S'il y a un souci, on l'appelle. Ok. Mais dis-nous ce que tu penses. Pour moi, je pense que là, il y a faute et carton jaune. Ah. Pour moi, c'est un avantage. On l'a vu tout à l'heure pour l'Angleterre aussi. Pour moi, l'Angleterre-Fidji. C'est vrai. Bon, après, l'arbitre était de dos. D'accord. Allez, la touche, si on la récupère, c'est bien. Allez, c'est parti avec les Bleus. Une nouvelle fois, touche qui a été parfaitement captée par l'alignement tricolore. On est une nouvelle. Elle est là dans le camp sud-africain sur la ligne des 40 à peu près avec Grégory Aldrit là qui est
arrêté. Non, on a récupéré le ballon sur le côté gauche. Attention à ne pas se faire gratter si le ballon il a été récupéré là par les Springboks qui vont pouvoir repartir en contre-attaque. On réclamait quelque chose du côté de Jonathan Danti, mais non, le ballon est bien dans les mains sud-africaines. On tape une chandelle assez courte. Il va avoir la pression et Tsebet qui est venu, mais non, le ballon qui reste. Attention, le ballon qui a été pas capté. On va aller aplatir du côté des Springboks. On va voir cette action litigieuse. Est-ce qu'il y a eu peut-être un en avant? Qui a touché ce ballon? En tout cas, c'est laissé pour l'instant pour les All Blacks qui sont venus aplatir par RNC. La défense française qui n'a pas capté ce ballon. Le ballon qui a rebondi. Il y a eu un rebond favorable aux Sud-Africains qui sont allés aplatir par les Lions RNC. RNC qui aplatit, il n'y a pas de, pour l'instant, de contestation visible, il n'y a pas de vidéo qui se déclenche, de TMO comme on dit depuis le début de cette compétition. On revoit ensemble, hein, si vous voyez quelque chose, si vous voyez, je ne sais pas, c'est un petit en avant quand même, on est très très loin sur le plan de caméra. Tony, toi tu as la même vision que nous peut-être? Ouais, c'est délicat à voir, j'ai l'impression que non, il ne le touche pas le Sud-Africain, voilà, on va le voir sur ce plan. Non, c'est Gaël Ficou qui le touche et qui remet le ballon en jeu. Et RNC derrière, il n'y avait plus de couverture là derrière du côté des Bleus, tout le monde était venu sous cette chandelle pour la récupérer. Et du coup, RNC, il avait la voie royale pour aller marquer derrière. Ça fait mal parce que Julien Lalanne, vous qui connaissez merveilleusement bien le rugby, qui vibrait pour l'instant, on a loupé une belle occasion tout à l'heure. On aurait pu faire autre chose, non? Oui, mais vous voyez, la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, c'est ce que recherchait le coach, hein, c'est sud-africain, c'est-à-dire créer cette incertitude, cette espèce de pile face de pièces qu'il a lancées en l'air. Et on risque d'avoir beaucoup de situations de ce genre. Attention, ça va aller très très vite. Il y a pas, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Transformation à venir. Transformation pour Manny Leebok. On sait qu'il a été un peu en difficulté sur le début de la compétition. On l'a vu un peu mieux sur le dernier match. Le buteur sud-africain, on pensait qu'André Pollard prendrait sa place. Mais non, c'est lui, allez, il s'élance Manny Leebok. Et ça passe à droite. Non, ça passe. Cette transformation qui passe pour Manny Leebok, elle semblait partir un peu sur la droite, mais non, elle passe entre les perches, 7 partout. Et on rappelle que cette action, elle part quand même de cette possible en avant Springbok juste avant. Donc, ouais, à suivre la potentielle polémique déjà sur le possible essai français qui aurait pu avoir lieu. Vous voyez une polémique, vous, ici, en studio, Radio Sport? Alors, il n'y a pas de polémique, parce que c'est le début du match. Ça serait à 3 minutes de la fin. Par contre, ça part aussi d'un oubli de Ficou qui a transpercé tout le premier rideau, qui a oublié de passer la balle à gauche. Hein. C'est intéressant, c'est de voir la moue que vient de faire le capitaine de l'équipe de France. Attention, hein. Damien Penaud, qui a failli prendre haut là. Être c'est bête, l'arbitre n'a pas tendu son bras. Là, sur le coup d'envoi, il a pris quasiment au cou. Il a vite relâché, donc l'arbitre n'a rien dit. Donc attention quand même à ces plaquages. Le ballon qui est dégagé par les Sud-Africains. Est-ce qu'on va le jouer vite du côté de Thomas Ramos? Non, beau dégagement là des Springboks. On va repartir sur une touche équipe de France sur les 50 mètres. Oui, on a vu Antoine Dupont qui joue pleinement son rôle de capitaine, hein, s'adresser à l'arbitre. Que l'arbitre qui laisse jouer, on l'a pas dit. Peut-être c'est plutôt un arbitre tolérant. Ouais, au kiff, il siffle moins que d'autres arbitres internationaux. Et puis là, il nous montre que voilà, il est dans sa propre logique. Après, tu le sais, on le sait en plus, dans l'encadrement, Jérôme, il y a toujours un arbitre, un côté français, pour diriger le jeu avant les compétitions. Tu sais contre qui tu vas jouer et avec quel arbitre surtout. Oui, c'est-à-dire, on travaille tous les aspects, on travaille l'aspect sportif, technique, physique, mais on travaille aussi l'aspect discipline, en gros. La discipline côté bleu, maintenant il faut la retrouver tout de suite et se remettre à l'ouvrage. 7 partout, on menait 7-0, on était tellement bien partis. Voilà. Allez les bleus, une nouvelle fois là sur les 22 mètres avec Peato Movaca, pris beaucoup de pieds là d'Antoine Dupont, ça a bien suivi. Et les Sud-Africains qui n'ont pas capté ce ballon et ça donne une nouvelle offensive aux bleus là. On va peut-être sortir du côté gauche, non, l'arbitre a signalé un en avant. On va revenir à une mêlée pour un en avant tricolore sur la zone de ruck. Voilà, donc mêlée sur les 22 mètres Sud-Africains. Ce sera la première, non? Première mêlée, oui. Il y a eu 2-3 touches pour l'instant, d'accord, mais ça sera la première mêlée. Ouais. Max Delonca, une première mêlée dans un match d'une telle intensité. Alors, c'est pas la même intensité qu'hier soir, hein, parce que c'est plus fluide, ça joue beaucoup plus. Hein. On passe le ballon, là, cette fois-ci, c'est pas un par un, on a remarqué. Comment tu te prépares sur une première mêlée comme ça? Je pense que sur la première mêlée, ce qui est important, c'est de montrer à l'adversaire que t'es présent et que tu vas répondre à leurs défis physiques. Ouais. Donc là, j'en ferai pas énormément des caisses, mais je mettrai un gros impact et je resterai en bas. Ouais. Quand tu rentres la tête, toi. Voilà. Ouais. Voilà. Et comme ça, s'ils essaient de faire une double poussée, ben ça. La fameuse double poussée. Ils sauront que les Français ils sont en face et que. D'accord. Ils sont là, ouais. Tu nous donnes les poids, Tony. T'as oublié de donner les poids d'un côté comme de l'autre ce soir que t'adores. Les poids, les poids, les poids, les poids. Les petits poids de Gilbert Bécaud, tu sais.
Ouais, les poids. Ben, je vais les chercher. Voilà, je cherche les poids. Tu les trouves. 930 kilos pour l'équipe de France, 954 pour l'Afrique du Sud. Ah, c'est plus gros, voilà. Sur l'Afrique du Sud. Mais ça joue pas souvent, c'est vrai. On s'en aperçut, Max, hein, depuis le début de la compétition, les kilos en trop. Ouais, non, parce que maintenant, la mêlée, c'est beaucoup de techniques. C'est plus comme avant où tu touchais, tu rentrais de 3 mètres de loin. Maintenant, c'est plus de la technique et voilà, c'est un travail collectif. Alors, on se place, quoi. Ouais, petit on se place, petit. Mais il faut quand même essayer de dominer l'adversaire. Ah, on a bien compris. Après, donc, ça pousse. Hein. Voilà, après ça pousse. On fait l'exercice après, du tracteur, bien sûr. Ah, et après, il faut faire des cervicales, se muscler les cervicales. Oui, ça va. C'est comme, de toute façon, c'est comme Archibald, lui, c'est un surfeur. Tu muscles pas les cervicales, toi. T'as oublié. Allez, la mêlée, Tony. La première mêlée de ce match, là, qui semble stable des deux côtés. Le ballon qui va être éjecté, là, par les Sud-Africains. Oui, Kobus Reinach qui part du côté droit. Là, on tente peut-être une contre-attaque en jouant là maintenant. On préfère passer par jeu au pied de Willem C. qui trouve la touche. Voilà, on prend pas trop de risques. On laisse pas le ballon sur le terrain. On préfère se dégager en touche tranquillement et repartir à peu près sur la ligne médiane une nouvelle fois. Ouais, c'est plutôt agréable hein, pour l'instant, Jérôme, ce début de match. En tout cas, même si on est frustré parce que on aurait pu avoir un autre essai français à un moment. On n'a pas revu l'action avec Dupont. Peut-être qu'on aurait pu partir grand côté plutôt que de rester sur le petit côté un peu enfermé. Hein. Oui, bon voilà. Après, on refait pas le match, mais donc voilà, les Sudaf ont gagné la balle sur leur introduction en mêlée et ils ont élargi le jeu et un coup de pied pour essayer de faire courir, pour éloigner les Français de leur ligne. Hein. La touche, Tony. Nouvelle touche pour Peato Movaka, c'est parfaitement capté pour l'instant. On est à 100% sur la touche avec Kamano Oki qui est venu. Attention là de ne pas sortir ce ballon porté en touche. Non, le ballon qui reste dans les mains de Peato Movaka. On est tout proche de la ligne de touche là sur la ligne des 50 mètres. Allez, Antoine Dupont qui a mis les mains sur le ballon et j'ai l'impression qu'il veut passer par un jeu au pied. Non, il préfère continuer là d'aller avec les gros. Non, c'est Jonathan Danti qui est venu mettre un impact là et on vient gratter. Non, ça serait là une pénalité sur ce grattage. Grattage. Illicite là pour les Sud-Africains et les Bleus qui vont pouvoir aller chercher une touche ou peut-être prendre les points. On est quand même très excentré. Ouais, on est très excentré quand même. Bah, c'est toujours le même truc hein, comme on avait hier avec les Irlandais. Est-ce qu'on joue une pénale touche? Est-ce qu'on prend les points? Quand t'as quelqu'un comme Ramos, allez, on prend les points. Ouais, quand t'as Ramos depuis le début de la compétition, je vois pas pourquoi tu hésites quoi. Tu mets 3 points de plus. Surtout que tu es frustré de ce début de match parce que tu pouvais passer à 14-0 quoi quelque part en étant très ambitieux. C'est clair. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et t'es à 7-7 alors que t'as fait un début de match Archibald. Était juste parfait de la part des Bleus. Ouais, moi je trouve qu'ils sont bien entrés. Alors c'est sûr que ça nous a calmé là. Fico qui oublie le ballon, tu peux dire ou le. Ouais, après c'est facile de quand on est dans son petit fauteuil. Voilà, là ils sont dans l'intensité du match, mais on est dedans, on les défie. Physiquement, je nous trouve bien. Voilà, pour l'instant, on domine. On est là, mais on a subi un petit coup. Tu vois, c'est un petit coup de frais sur le Stade de France. C'est le premier coup de frais mi-octobre. Ramos pour la pénalité. Oui, pour l'instant, 100%. Il n'a eu qu'une transformation à tenter, excentré 50 mètres sur la gauche. C'est parti pour Thomas Ramos. Ça part bien, ce coup de pied de Thomas Ramos. Et ça sera juste tout court pour Thomas Ramos. C'était vraiment juste devant les poteaux. Il avait la direction, il lui en manque un tout petit peu de distance, mais attention, le dégagement là de les Sud-Africains, il ne trouve pas la touche, c'est Antoine Dupont là qui a le ballon dans les mains, il a trouvé Cameron Oho qui en est à 30 mètres environ de la ligne d'en but. On repasse par un jeu au pied par-dessus qui est suivi là par Louis Bielbar, et attention, Kobus Reinach, il a rentré le ballon dans son en but, il peut pas aplatir, on va relancer du côté des Sud-Africains, il y a peut-être quelque chose à faire sur le côté gauche. Non, Manili Bok qui navigue là dans la défense française, il a avancé de quelques mètres et là les Sud-Africains qui s'en sortent bien, là ils vont pouvoir se dégager, on va passer par du jeu d'avant une nouvelle fois. Kobus Reinach là qui cherche ses avants, attention à ne pas perdre ce ballon du côté des Springboks. Est-ce qu'il y aura un en avant? Non, il y aura une pénalité qui est signalée par l'arbitre contre l'équipe de France et de l'Afrique du Sud qui va pouvoir se dégager. 16 minutes de jeu, toujours 7 partout au Stade de France. Ça peut changer les plans, Julien Lalanne, de cette équipe de France, de voir Ramos qui tape la transversale ainsi. Ça veut dire que la prochaine fois, on fera peut-être autre chose? Qui sait? Oui, alors j'ai remarqué que sur les touches, j'ai l'impression que pour l'instant, les Français n'ont pas fait de touches complètes. Les Sud-Africains ont un double contre en touche et je pense que l'équipe de France va varier. Mais on l'avait noté pourtant, on sait que les Sud-Africains sont très très bons sur jeu de touche, on se souvient du match face à l'Irlande. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont des grands gaillards quoi. Alors, on les a remarqués depuis le début de la compétition, Archibald, on savait très bien depuis le début que sur la touche il fallait se méfier. Hein. On revoit quand même la transversale, c'est terrible, hein. C'est comme un ballon sur une ligne de but de foot. Hein. Ça se joue à quelques centimètres, il y avait la direction, mais il y avait tout. Il y avait tout, mais c'est pas grave. La touche sud-africaine, elle a été en fin d'alignement, elle a été bien
bien capté. Elle était limite, la touche, mais elle est, ouais, elle ouais, est réglementaire fait... là, selon l'arbitre. Attention là, parce que les Sud-Africains qui se mettent dans l'avancée là. Damien Penaud qui vient défendre, qui prend très haut. Attention Damien Penaud sur les plaquages quand même, parce que il faudrait pas être pénalisé. Manili Bock qui repasse par un jeu au pied, une chandelle là très haute. C'est Cameron Woki qui est venu, mais le ballon qui revient dans les mains sud-africaines. Attention là, parce qu'il y a un trou une nouvelle fois dans la défense du même côté quasiment. On est à 2 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. La défense là qui avait une manquait encore une couverture là de ce côté. Reyna qui trouve une nouvelle fois son centre et ça sera laissé. 2D à l'ND, mais encore une fois l'équipe de France qui se fait piéger du même côté. Encore un trou dans la défense et on vient aplatir 12-7. C'est dur pour l'équipe de France qui encaisse deux essais sur les deux venus de l'Afrique du Sud dans ces 22 mètres. Oui, mais deux fois par des fautes, non pas d'intention, mais ça manque de rigueur sur ces 3-4 dernières minutes depuis l'essai, tout à coup. Oui, ça manque de rigueur et ça manque Jérôme. Aussi. On passe notre temps dans le camp des Sudaf, sauf qu'il y a deux contres, hein, comme on pourrait dire au foot, il y a deux contres. On les domine, mais on est contré. Et Penaud, attention, hein, Archibald, on l'a remarqué, ça fait deux fois. Hein. Non, moi je trouve que c'est plus le coup d'en avant du Sud-Africain qui m'a fait réagir. D'accord. Bon, après, c'est dans le feu de l'action. Ça n'a pas été sifflé, mais là, c'est vraiment dommage parce que ça fait deux fois qu'on se fait avoir sur des ballons là, comme ça. Oui, qui rebondit sur Woki, là, c'est vrai. Chandelle mal réceptionné. Ouais. C'est tout simplement ça. C'est ça. Ah, c'est terrible. C'est des erreurs individuelles qui nous font mal là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas de figure je te laisse taper, tu as raison. Vas-y Tony, après j'en donne la parole. On voyait aussi au ralenti des LND qui, avec sa fin de passe, a envoyé un peu dans le vent les défenseurs, notamment Louis Bielbarré qui est parti de l'autre côté. Ça a laissé un espace énorme à des LND qui a gagné 20 mètres. On sent que de ce côté de la défense, là pour l'instant, c'est un peu compliqué pour l'équipe de France. On va voir sur la suite. Défensivement, c'est compliqué. Sur la suite du match, Manili Bock, là, qui a une transformation un peu plus simple que tout à l'heure. Elle est plus proche des poteaux. Complètement ratée pour Manili Bock, complètement à droite. Allez, 7-12, les Bleus qui sont à 5 petits points de l'Afrique du Sud. 19 minutes de jeu au Stade de France. Il va falloir réagir. Il n'y a pas de péril à la demeure. Qu'est-ce qu'on se dit, Max, quand on est comme ça? Parce qu'on a le temps de se parler entre joueurs. Il y a Dupont, il y a le capitaine qui vient. Ouais, non, mais là c'est pas, ça sert à rien de s'affoler, parce que on prend deux essais sur deux erreurs individuelles. Il faut juste que les joueurs se resserrent sous les poteaux, soufflent un bon coup et qu'ils repartent de l'avant en étant aussi sérieux en attaque. En fait, il faut qu'ils soient aussi sérieux défensivement qu'offensivement. C'est ça. Défensivement, on a l'impression que c'est un tout petit peu léger. Ouais, en plus, on se fait avoir par un cadrage débordement, quoi, quelque part. Ils subissent un peu aussi les plaquages, enfin, les impacts, ils les subissent à leur tour maintenant. Et les Sudaf sont dans l'avancée, donc après, au pied. On voit qu'on a du mal, donc... Allez, on va les suivre, c'est français. Et on repart sur le même schéma, là, du côté de l'équipe d'Afrique du Sud, avec une nouvelle chandelle tapée sur ce côté droit, là, où on a piégé deux fois l'équipe de France. Cette fois-ci, ça a été parfaitement capté par Mathieu Jalibert. Allez, l'équipe de France qui est sur la ligne des 40 mètres sud-africaine, avec Cameron Woki, là, qui a été arrêté par la défense sud-africaine. C'est Cyril Bailly, là, qui vient aider de Grégory Aldrit pour tenter de mettre son équipe dans l'avance. C'est Antoine Dupont qui continue, là, de... faire jouer ses avants. Attention là de ne pas être piégé. Non, Antoine Dupont, il s'en est sorti. On est reparti sur le côté gauche avec Charles Olivon. Il avait Louis Bielbarré à côté, mais il a préféré aller dans le trafic. Il a été arrêté. On est tout proche des 22 mètres de l'équipe des Springboks. On tente une nouvelle fois de passer dans l'axe. Le ballon qui est échappé, mais non, le ballon qui reste dans les mains de l'équipe de France. Jonathan Danty qui est passé. Jonathan Danty qui a cassé un plaquage, mais finalement qui est arrêté là à l'entrée des 22 mètres. Antoine Dupont qui ressort pour Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui cherche sur l'aide là Damien Penaud qui a été trouvé par Thomas Ramos. Et Antoine Dupont, il est arrêté. Antoine Dupont qui se retrouve dans le rug. Thomas Ramos qui tente de passer lui aussi dans l'axe. On se rapproche petit à petit. On est environ à 10 mètres de la ligne d'en but sud-africaine. C'est pas mal là ce que font nos Français. On est à 5 petits mètres maintenant. Attention, Antoine Dupont là qui avait sorti ce ballon. Et Sia Colissi qui l'a pris de suite. Et là, ils vont subir toute la pression là de la défense sud-africaine. Est-ce que le ballon va rester dans les mains de l'équipe de France? Oui, Péa Tomovaka, le ballon dans ses mains. Il part de suite au contact là. Péa Tomovaka, attention de ne pas être seul. Non, le soutien est arrivé. On attend qu'Antoine Dupont revienne. Il est au sol, Antoine Dupont. Est-ce qu'il se relève? Attention, on surveille quand même, parce que là pour l'instant on a plus de demi de mêlée. S'il est de retour là, Antoine Dupont, et une pénalité qui sera sifflé pour l'équipe de France. Antoine Dupont qui décide de la jouer rapidement. Est-ce qu'il va aller au bout? Antoine Dupont qui trouve Plateau Mova. C'est magnifique. Le Antoine Dupont qui a joué rapidement cette pénalité. L'équipe sud-africaine qui ne s'était pas replacée. On trouve Plateau Mova en coin, qui vient aplatir 12 partout. L'équipe de France qui réagit de suite. Super Toto. T'as raison de mettre les yeux d'Emilie, parce que là Dupont. T'as filou. Bah oui, bah tu sais que c'est numéro 9. Il y a deux secondes, il était
C'était son premier gros contact. Hein. On se posait tellement de questions depuis le début, avec son masque, avec son casque plutôt, puisque le masque est interdit. Avec son casque, on avait peur pour lui. On ne savait pas comment il allait tenir au bout de 20 minutes. Il est là et il te fait une pénalité jouée, mais comme un vrai grand filou. C'est un génie quand même. Hein. C'est beau d'avoir un joueur comme ça, Max, dans son équipe. Hein. Ouais, ben, je crois que je regardais la télé hier et tous les joueurs l'encensent. Et je crois qu'à juste titre, c'est le... C'est le meilleur joueur du monde. Il est quand même exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Pour avoir joué contre lui avec l'Aviron à l'époque, c'est quand même c'est un leader déjà par l'exemple naturel. Et c'est un joueur comme ça. Ça change. Il a plus vite que les autres. Il est plus lucide. Il est quoi ? C'est un magicien. Magicien. C'est un mec. Il a tout. Il est grand quoi. Il est grand. Il a tout. Allez, à Thomas Ramos de mettre 2 points de plus quand même pour l'équipe de France pour. Entériner cette belle phase de domination de l'équipe de France, et cet essai magnifique encore ce soir. Thomas Ramos qui s'élance et qui est contré par le Sud-Africain, est-ce qu'il était parti trop tôt chez Slim Colby ? Mais oui, il est parti trop tôt. Oui, quand même. Il faut arrêter quand même. On va voir, qu'a dit l'arbitre. Est-ce qu'on va la refaire cette transformation ? C'est rare de voir ça. Chez Slim Colby, il s'est retrouvé quasiment sur Thomas Ramos, cette transformation. C'est assez rarissime. Hein. C'est quoi la règle hein ? Alors la règle, il faut la sortir. Il faut pas partir avant que... Il faut sortir le dico. Eh ben non, il est parti apparemment dans les règles. Chez Slim Colby, il a contré Thomas Ramos. Écoutez, ils vont nous le faire à chaque... Fabrice, vérifie, appelle l'arbitre, fais quelque chose, c'est pas possible. Non, mais c'est dur, quoi, pour cette équipe de France. Allez, on repart. 12-12, on a égalité. Allez, on repart. J'ai tout le règlement. T'inquiète pas, Tony, j'ai tout le règlement en cas de... Chez les photos, de savoir où tu mets les ballons, si jamais il y a des tirs au but, j'ai tout. T'inquiète. Parfait, tu m'aideras du coup. Bah heureusement. Le ballon qui a été donné, le coup d'envoi qui a été donné par l'Afrique du Sud et Antoine Dupont qui va dégager l'équipe de France là, avec un long jeu au pied juste devant les 22 mètres de l'Afrique du Sud. Ils vont pouvoir relancer avec Manili Bock qui est parti chercher les ailes. Attention, quel impact là sur Antoine Dupont. C'est Antoine Dupont qui est venu au plaquage. On était inquiet sur Antoine Dupont, mais là on a plus d'inquiétude. Hein. Il va au contact, il va lui au plaquage. Il y a pas de souci. Son casque lui tient bien la tête. Les Sud-Africains qui continuent là, ils passent avec une chandelle. On repart du même côté toujours. Où ça a piégé 2 fois l'équipe de France. Thomas Ramos cette fois-ci, il n'est pas piégé. Est-ce qu'il y aura un en avant ? Non, le ballon qui est toujours dans les mains de Thomas Ramos qui a pu se dégager avec un long jeu au pied. Attention à la pression de Louis Bielbarré qui arrive sur Willem C. qui dégage son équipe, qui va trouver la touche, une longue touche trouvée. Est-ce qu'on la joue rapidement du côté de Damien Penaud ? Non. Le ballon qui est donc dégagé, on sera avec une touche française dans le camp sud-africain vers la ligne des 40. Ah, c'est fou d'avoir trouvé peut-être le point faible de cette équipe de France. Et on revoit là une attaque sur le coup sur Dupont. Là, pas joli hein, de cibler de cette façon-là, messieurs. Mais c'est surtout pas permis. Oui, non, d'accord que c'est pas permis, mais en plus tu cibles Dupont, tu vois ce que je veux dire. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Tu as la réponse, on a le droit de faire ça, de contrer ou pas ? Et Adrien est là. Mais non, monsieur l'arbitre, bonsoir à vous. Dites-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? On a le droit de contrer comme ça sur une transformation ? Oui, on a le droit. Ah bon, d'accord, parce que la règle c'est quoi ? C'est pas d'attendre ? Il ne peut démarrer sa course qu'à partir du moment où le botteur a démarré sa course. D'accord, et là c'était donc licite. Donc dès que Ramos bouge, il peut démarrer sa course. Et pour l'instant, vous trouvez comment l'arbitrage ? Un peu laxiste, un peu ou normal de sa part ? Non. Je vois pas de... Alors, c'est vrai que attention, la nouvelle contre-attaque pour l'Afrique du Sud. Là, on est sur le côté gauche. On va trouver chez Slim Colby qui va aller aplatir l'essai. Une nouvelle contre-attaque pour l'Afrique du Sud qui va finir un essai. Qu'est-ce que c'est dur pour l'équipe de France qui s'est fait piéger 3 fois sur des actions de contre-attaque. Ça s'est fait en un coup de pied, 2 passes. Et chez Slim Colby qui vient aplatir 17-12. Pour l'Afrique du Sud, c'est trop facile sur les contre-attaques pour les Springboks depuis ce début de match. Oui, et en plus, il n'y a rien à dire du côté arbitral, donc ça va être compliqué. Merci Adrien Marbeau, à tout à l'heure. Hein. Merci à vous. Il va se passer des choses, c'est sûr, ce soir. Hein. C'est un grand match, bien sûr. Et l'Afrique du Sud qui repasse devant, ça, c'est pas bon pour nous, pas du tout. Et le Stade de France, vous étiez hier soir, on le rappelle, hein. Julien Lalanne, vous de l'US d'Aquaz. Là, dans le stade, ça doit être comme pour les Irlandais. Hier, hein. Les Irlandais, ils ont eu du souffle jusqu'à la fin. Hein, je vous rassure. Et là, je pense que c'est pareil. Oui. C'est fou qu'on se fasse surprendre comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Archibald de Sud-Ouest. Ouais, là on souffre et on souffre en défense. Hein, à chaque fois qu'ils ont un temps de jeu quasiment, parce qu'on a il faudra regarder la possession, mais on a plus la balle qu'eux. Dès qu'ils la récupèrent, ils ont à chaque fois quasiment scoré un essai derrière. Donc. C'est dur, ouais. Archibald, sur l'ensemble du match, possession 63% pour la France. Voilà. Mais 3 contre, 3 essais. Voilà.
Oui, ça fait mal. Hein. C'est pas trois actions construites, c'est ça qui est formidable. C'est des contres. Hein, c'est pas construit, c'est pas travaillé, mais c'est bien fait. Ouais, c'est fort hein, ce que font les Sudaf depuis le début, en tout cas, puisqu'ils nous surprennent à chaque fois. On y va pour cette transformation, puis après je reviens chez Fabrice, t'inquiète pas, avec tous les messages sur les réseaux sociaux. Pour notre arbitre, pour l'instant, tout va bien. Je pense que sur les réseaux, pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Allez, Tony, à toi, si on la tire tout de suite ou pas. Il reste quelques secondes. Manny Libok, oui, il lui reste 10 secondes là pour s'élancer. On l'a vu rater totalement sa transformation tout à l'heure. Cette fois-ci, il est sur son bon pied, excentré à gauche. Il lui reste 3 secondes là au buteur sud-africain. Ça part beaucoup mieux que tout à l'heure et ça va passer entre les perches. 19-12 pour l'Afrique du Sud. Après un peu plus de 20 minutes de jeu au Stade de France, un peu plus de 25 minutes, même on est à 27 minutes de temps de jeu, 19-12, 3 essais à 2 pour l'Afrique du Sud. Max de Lonca, là, ça cogite. C'est-à-dire que ça fait 3 essais où on est mis en difficulté sur le second rideau, sur des jeux au pied, sur les ballons en l'air, et puis là, un jeu au pied dans le dos compliqué. Donc je pense que pour l'équipe de France, ce qui est très important là, c'est d'essayer de reprendre le score le plus rapidement possible pour gagner la confiance. Les Français qui sont au ballon, j'arrive vers toi Fabrice, mais je vois que Tony nous appelle, que ça bouge encore. Est-ce qu'on a perdu le ballon ? Non, le coup d'envoi qui a été donné par l'équipe de France, le ballon qui est dans les mains sud-africaines, qui vont pouvoir se dégager par une chandelle une nouvelle fois. Ils voient que ça nous met en difficulté. Une nouvelle fois, on n'est pas dessous. Heureusement, le ballon reste dans les mains des Français, mais c'est dur sous ces chandelles. On a du mal à chaque fois à capter ces ballons. Compris, et hein, du coup, on est en danger à chaque ballon haut. Mais là, pour l'instant, le ballon reste dans les mains de l'équipe de France. Allez, c'est bien fait. Là, par Antoine Dupont qui a trouvé Damien Penaud, qui a tapé au pied. Il va suivre Damien Penaud. Est-ce qu'il sera plus rapide? Le rebond favorable? Non. Le ballon qui reste dans les mains sud-africaines pour l'instant. Et attention, le contest en est arrivé vite là du côté de Cameron Wauki. Est-ce qu'on va être récompensé? Non. Le ballon est toujours dans les pieds sud-africains. C'est dommage. Le rebond avait été favorable à l'équipe de France. Mais on n'a pas réussi à le récupérer, ce ballon là, tout proche de la ligne d'en but des Springboks. On va passer par quelques jeux d'avant là pour se sortir un peu de cette ligne de touche, parce qu'on était vraiment collé, on était vraiment fermé là pour tenter un coup de pied. Est-ce qu'on va taper cette fois-ci du côté de Kobus Reynak? J'ai l'impression que oui, là il a mis. Non, c'est Manny Libok qui va taper, il a ressorti le ballon. Ça sera une petite touche trouvée là, ça va être dans les 22 mètres sud-africains, cette touche française. Allez, nouvelle offensive pour l'équipe de France, 29e minute de jeu au Stade de France, 19-12 toujours pour l'Afrique du Sud. Notre talonneur maison de l'US Dakois ce soir, Max. Ça, c'est un point positif sur lequel les Français peuvent s'appuyer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mettent un jeu au pied, ils arrivent à mettre beaucoup de pression à l'adversaire pour pouvoir récupérer les touches dans le camp des Sudaf. Et sur ces ballons-là, la touche, elle a été captée justement. Et Antoine Dupont qui lance Jonathan Danti. Gros impact là de Jonathan Danti. Il a été pris par deux Sud-Africains, mais il a été arrêté. On est sur les 22 mètres. Winnie Antonio, on tente d'organiser un ballon porté du côté des Bleus. Là, c'était préparé. Winnie Antonio qui a organisé. Là, il y a 5 ou 6 Bleus là, qui sont là. Le ballon est dans les mains d'Antoine Dupont. Attention, on passe le faire contrer ce ballon. Antoine Dupont qui repasse par un jeu au pied. Est-ce que Damien Penaud sera là? Non, c'est Cheslin Kolbi. Mais Cheslin Kolbi va finir en touche. Touche à 5 mètres pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a une belle occasion de revenir au score. Là. Ah, voilà, surveiller. Rapidement, tu voulais rajouter un petit mot, Fabrice? Peut-être sur ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est quoi? C'est les arbitres, ça crie, ça critique? Alors, sur les arbitres, il y a eu des cris, mais surtout, c'est une question qui. Est-ce que Dupont permet vraiment à ses équipiers de jouer relâché? Tout le monde se pose la question si l'équipe de France est vraiment relâchée. Parce qu'ils ont peur pour le petit auto, tu veux dire tout à l'heure, par exemple, ouais, si vous regardez les images au ralenti. D'accord, on en parle. Allez, la touche a été captée par Camano qui le ballon porté. Non, il s'organise pas. Cyril Bay qui ressort de suite le ballon là pour Peato Movaka arrêté par la défense sud-africaine. Antoine Dupont qui repart là dans l'axe avec Jonathan Danti. Il est puissant, Jonathan Danti. Il a été arrêté. Est-ce que là on va aplatir derrière la ligne? Est-ce qu'il y a un sud-africain dessous? Ben Oki fait juste à côté. Il regarde, non, le ballon est ressorti. C'est Cyril Bay cette fois-ci qui va derrière. Pour l'équipe de France, essai de Cyril Bay, tout en puissance. On est passé là en puissance, là on a enchaîné les pick and go jusqu'à aplatir pour Cyril Bay. Son deuxième essai aujourd'hui, Cyril Bay, il fait du bien. 17-19, l'équipe de France qui revient à 2 points avant la transformation de Thomas Ramos. C'est fou parce qu'on est bon, quoi, quelque part, hein, c'est vrai. Oui, sur le combat, je pense que là, il y a. On domine sur le combat. Et les gros sont là, moi ça me fait plaisir. Ah, mais je le dis! Oui, tu parles de la table? Non, mais j'ai la chance d'avoir un super talonneur, je pourrais jouer comme Bay en première ligne, j'aurais mis deux essais ce soir, tu vois le truc. Non, mais offensivement, messieurs, il n'y a rien à dire, l'équipe de France, elle est là. Maintenant, il faut juste bien sortir du camp, leur remettre la pression, récupérer des ballons et rejouer chez eux. On voit bien que les Sudaf défensivement, ils sont moins bien. Moins bien. C'est le French Flair qui peut payer ce soir. Ouais, mais je vous dis, là, il faut juste que les Français ils prennent le score et ça va vraiment leur donner la confiance. Il faut arrêter d'encaisser des points là maintenant. En attaque, on est puissant et on est assez inspiré, hein, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, exactement. Mais on gagne les collisions surtout.
On n'est pas à l'aise. On suit la transformation, puis on répond aux questions de Fabrice des réseaux sociaux dans un instant. Thomas Ramos qui va essayer de ne pas se faire contrer sur une transformation, c'est dommage. Il transforme très rapidement. Là, il a laissé à peine une seconde et ça passe sans problème pour le buteur tricolore. 19 partout après 30 minutes de jeu au Stade de France. J'ai tout ce qu'il faut pour la prolongation. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout le règlement. Archibald, ça fait longtemps que vous n'avez pas attendu. Vous êtes très stressé, un peu peut-être comme la question qu'on vient de poser avec Fabrice. Ça veut dire que. On a peur pour Dupont depuis le début, on guette, on protège, on est... oui, c'est la tendresse, quelque part. Non, mais je pense que, comme d'habitude, on a vu sur l'essai qu'on a pris, Edzebet monter très très vite sur Dupont, donc il y a toujours un plan anti-Dupont quand on joue la France depuis... Normal. Depuis, voilà, et pour l'instant... Moi, je suis assez d'accord avec Max. Je trouve que c'est assez rassurant parce que dès qu'on a le ballon, on est dangereux, on les domine. Il faut vraiment mettre les barbelés sur le second rideau, sur voilà, aller jouer chez eux et pas se faire surprendre presque bêtement sur des ballons hauts. Là, voilà, on sait que lui, Colby, il faut le faire tomber vite fait. Il faut pas lui laisser de l'espace. Et là. Il ne faut rien lâcher. Ouais. Physiquement, il faudra rien lâcher. Allez, nouveau coup de pied. On repasse par le même jeu au pied là pour l'Afrique du Sud dans la même zone là par Manny Libok. Et ça a été capté une nouvelle fois là par les Sud-Africains. Le ballon est sur la ligne des 40 de l'équipe de France. Allez, c'est reparti avec une offensive là sur le côté gauche. On tente de venir gratter là du côté de Peato Movaca. Non, c'était Jonathan Danti. Mais non, le grattage n'est pas bon. Attention, encore une erreur défensive. Heureusement, Manny Libok n'a pas capté ce ballon. Il a commis un en avant. Mais il y avait encore un trou dans la défense de l'équipe de France là dans l'axe. Allez, il y a peut-être un ballon de relance à tenter. Antoine Dupont là qui a été vite plaqué, vite ciblé. Une nouvelle fois, on va revenir à l'en avant là de Manny Libok. Mais encore une fois, il y avait un espace. Encore une fois, il y a une différence dans tes mots. Les mots ont un sens. Hein. Plaqué ou ciblé ou visé. Il y a un peu des deux peut-être. Un peu des deux peut-être sur cette action. Hein. C'est fou. Mais encore une fois, on laisse échapper. C'est incroyable, Archibald, ces ballons quoi. Ah oui, c'est un peu de... Je sais pas. Est-ce que il y a une atmosphère particulière? Est-ce qu'il fait stress? Chaud? Non, il fait froid là-bas. Hein. Ah oui, il fait froid là. Il fait froid, froid. T'es rentré enfin dans l'automne, un 15 octobre, quoi. 9 degrés à Paris. Ouais, 9 degrés. Tu vois, Tony, il est en doudoune. Par contre, effectivement, sur toutes ces chandelles, sur tous ces coupiers en l'air, on n'arrive pas à les choper. Ça réchauffe les chandelles. les chandelles, ouais. Soit on récupère mal le ballon dans des mauvaises conditions, soit c'est les Sudaf qui les récupèrent, donc c'est un petit peu embêtant. Ouais, t'as l'impression qu'à chaque fois que tu es dans cette même zone, que derrière, t'es d'une fébrilité danger. Incroyable. Il y a danger, il y a la fébrilité, ouais. C'est un peu fou. Mais en tout cas, pour l'instant, la France est à égalité, 19-19. Après, c'est vrai, une drôle de première période. En plus, on montre qu'on est bon. On montre qu'on est très bon ce soir, que physiquement, on est là, qu'on est au rendez-vous de nos quarts de finale. La mêlée avec toi, Tony. La mêlée dans le camp de l'équipe de France, ça semble s'écrouler là au niveau des piliers gauche. On va la rejouer, cette mêlée. On s'est écroulé des deux côtés, que ce soit Winnie Antonio comme... Malherbe, donc on va repartir avec une nouvelle mêlée équipe de France dans le camp français, à peu près sur la ligne des 40, entre la ligne des 40 et la ligne des 22 françaises. Ils doivent s'en vouloir, les Français, ça doit beaucoup cogiter à l'intérieur pour l'instant des cerveaux des Bleus. Peut-être que chez Galtier et ses 40 000 j'allais dire responsables de la data, on sait que c'est. On va regarder ça et on va en parler à la mi-temps. Oui, parce qu'on disait, c'était hier avec Raphaël et Saint-André qui était avec nous, c'est qu'aujourd'hui dans le vestiaire, t'as plus de discours ou autre. Les gens regardent les performances pendant 45 minutes max, c'est un peu comme ça en D2 aussi. C'est comme ça. Ouais. Bon, nous, on a plus les analyses à la fin du match, mais souvent les entraîneurs ils cèdent de ça pour faire le coaching. Même à la mi-temps, au bout de 40 minutes. Tu le vois sur le GPS, si les joueurs sont fatigués, pressent moins, chassent moins au niveau de la vitesse de course, des efforts répétés, tout ça. Tu le vois tout de suite. Sur le GPS, tu le vois de suite. Tu peux pas tricher avec un GPS. On peut pas tricher, oui, c'est ça. Oui. Non, mais est-ce qu'il y a quand même au niveau de la course. Hein. Est-ce qu'il y a quand même des citrons? Moi, je triche tout le temps, c'est pour ça. Tu peux tricher après au niveau des plaquages et tout ça, mais au niveau de la course, tu peux pas tricher. Est-ce qu'il y a quand même des citrons à la mi-temps? Les coupeurs de citron? Non, il y en avait. On a des bonbons, nous, maintenant. Et les bonbons. Ouais, au citron. Ah, les bonbons. C'est pour ça qu'il est temps que j'arrête le rugby, parce que là, c'est. Ça devient grave. On a le même problème. C'est grave, docteur. Allez, la mêlée avec toi, Tony, pour ces dernières secondes de la première période. Ouais, cette mêlée qui a du mal à se jouer, on a du mal à respecter les commandements là de l'arbitre, donc elle s'est pas jouée. Encore il y a presque deux minutes qui se sont écoulées là depuis l'en avant de Manny Libok. Allez, elle repart cette mêlée avec l'introduction d'Antoine Dupont. Elle a l'air de tenir un peu mieux. Attention, on s'écroule une nouvelle fois à gauche. Est-ce que quelqu'un est pénalisé? Non, l'arbitre laisse jouer. Antoine Dupont qui ressort ce ballon. Il a vite été pourchassé, mais le ballon est bien sorti. Allez, Louis Bielbarré est peut-être sur l'aile qui passe une nouvelle fois par un jeu au pied. Louis Bielbarré qui longe au pied dans les 22 mètres, qui sera arrêté d'un arrêt de volée là par Willem C. Classe.
Classe. Et voilà, donc on va repartir depuis. Alors, je te coupe, Tony, mais il y a une image furtive. Hein. Et il va falloir surveiller les gros plans de nos amis de la réalisation. C'est pas la télévision française qui filme, c'est important. J'ai cru voir Tony. Je sais pas hein, si vous êtes comme moi, vous avez vu. Ouais. Toto, une petite éraflure sous l'œil. Du côté où il a été touché. Ouais. Donc attention. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on signifie le corps arbitral, je ne sais pas ce qu'on a vu. Mêlée. Il y a eu arrêt de voler, la décision a été prise de prendre une mêlée du côté des Springboks. Ah, c'est eux, d'accord, c'est pour ça qu'il l'a montré. C'est ça, Max ? Bah, je ne connaissais pas cette règle. Mais moi non plus, quand il a montré, quand il a fait. Il faisait un cœur à sa fiancée. Non, mais ça veut dire qu'ils se sentent forts sur la mêlée. Oui, là, ils vont vouloir faire l'effort, ça, c'est sûr. Tu as dit, Fabrice ? Le remontrance de l'arbitre, il ne veut plus que les mêlées finissent au sol. Ah, il a raison. Mais toi, tu arrives à parler à l'arbitre en derrière, ça je comprends pas. Excuse-moi, mais tu m'épateras toujours, chef. Je suis dans mon bunker. Et dans ta bonne foi. Mais c'est vrai. Le vrai bunker est à Roland-Garros, hein, je te rappelle. Allez, il faut prendre le ballon là, il faut faire l'effort. Allez, allez, dernière seconde. Il faut montrer la différence. Il reste 2 minutes et des poussières dans cette première période, Tony. 2 minutes 30 à jouer au Stade de France, mêlée sud-africaine là dans leur camp, dans leur 22 mètres. Allez, on va voir si le pack français arrive à faire l'effort. Est-ce que cette mêlée, elle tient déjà des deux côtés? Elle s'écroule? Est-ce que Calgary, ce sera une pénalité contre l'équipe de France? Et on va tenter de relancer. On tente un petit jeu au pied par-dessus là du côté de l'Afrique du Sud. C'est bien fait, non? Louis Bielbarre était là pour couvrir, mais on va revenir à la pénalité évidemment sur la mêlée. L'Afrique du Sud qui a voulu montrer qu'elle était plus puissante que l'équipe de France, et ça a payé puisqu'ils obtiennent la pénalité avec une faute de Cyril Bailly. On va surveiller quand même Antoine Dupont tout à l'heure à la pause, hein, parce qu'on sait que les changements commencent après la 45e voire la 50e minute. On va pas prendre de risque non plus si jamais la pommette est touchée. Il faudra surveiller. Gros plan sur Cyril Bailly, ça nous fait plaisir de voir un garçon comme lui, qui est un garçon éminemment sympathique, hein, et qui se bat à chaque rencontre, marqué 2 essais ce soir. 19-19, c'est reparti, Tony Molina. La touche, elle semblait être... elle a été sauvée par Louis Bielbarré, cette touche. L'arbitre avait levé son drapeau au tout début, mais finalement, non, l'on est... Pas sorti aussi, oui. Ou non. D'accord. On ne saura pas, Tony a disparu dans la froideur parisienne. Tony. on m'avait perdu. L'Afrique du Sud, ouais, qui a pu se dégager derrière, mais la touche qui n'a pas été trouvée. On a vu là, ce geste-là de Louis Bielbarré. Pourtant, l'arbitre de touche levait son drapeau, donc c'était un peu l'incompréhension, mais finalement, ça a été joué. Il avait anticipé, au cas où. Julien Lalanne, quand on voit ça, vous, en tant que dirigeant, en tant que partenaire de l'Esdaquoise, un garçon comme le petit Bielbarré qui arrive comme ça dans une équipe qui bouscule tout, quoi, cette hiérarchie. C'est l'OVNI. On va voir. Hein. Mais, ouais, non, mais il est testé, hein, il est testé, c'est normal. Il n'est pas connu au niveau international, donc on s'attendait à ce qu'il reçoive des cadeaux comme celui-là, et il s'en sort pas trop mal. Hein, pour ouais, il s'en sort pas trop mal. Pour l'instant, on n'a pas encore vu son accélération légendaire. Même si pénalité pour l'équipe de France. Le bras qui a été tendu par l'arbitre sur la ligne des 40. On peut tenter quelque chose, parce que dans tous les cas, on aura une pénalité. Mathieu Jalibert qui tente, là, qui court, qui n'est pas arrêté, mais non, il trouvera pas Damien Penaud. On va revenir à la pénalité, là, pour. On a demandé de relâcher, là, du côté de l'arbitre, mais on n'a pas relâché, là, du pilier Steven Kitchop, du coup une pénalité. Elle ressemble à celle qui avait touché la barre tout à l'heure pour Thomas Ramos. On va voir le choix qui sera fait, alors que Winnie Antonio est soigné par les médecins de l'équipe de France. Comment c'est, des bobos? Ça veut dire que c'est pas aussi impressionnant physiquement comme hier, par exemple entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. On n'a pas l'impression, tu vois ce que je veux dire, ce soir. Peut-être que je me trompe, Archibald, parce que ça va très très vite. La vitesse, oui, tu vois ce que je veux dire, la verticalité et autres, mais t'as pas l'impression que ce sont des chocs hyper importants, alors que on le voit sur les séquences de grattage, hein, tout le monde est là. Hein. Ouais, non, mais après, c'est le jeu, si on revient à la rencontre d'hier, le jeu irlandais, c'est vraiment des vagues. On montait quoi, 25 phases, 28 phases. Et 37 la dernière pour l'Irlande. Voilà, c'est, je veux dire, je pense qu'on est dans les records du monde de phases et de temps joué sur une rencontre. Hein. Donc là, c'est vraiment un autre rugby. Ce vous avez déjà joué, vous, Max, des 37 phases ou des 26 phases comme au début? Oui, 37 phases, mais sur 80 minutes, moi. arbitrage vidéo, messieurs, au Stade de France. Le on va voir sur un contact. Est-ce qu'il y a eu une faute sur un déblayage sud-africain? Il y a eu un geste d'humeur sur Louis Bielbarré. Je ne sais pas si c'est ça qu'on va regarder dans un rug comme une... D'accord. Comme une claque un peu qui a été mise sur un ruck. Est-ce que c'est ça qu'on regarde? Non, c'est là, c'est sur Winnie Antonio. Ouf, la tête sur Winnie Antonio. Ouais. Ça, alors Max, franchement, je suis content de vous avoir, parce que depuis le début de la compétition, on remarque que ça. Les cartons jaunes, c'est 99% de contact tête contre tête, on est d'accord. Hein, ouais, ben, je crois que c'est les arbitres qui doivent vraiment mettre le voyant au rouge sur ces phases-là. Et c'est vrai que... Il faut qu'il se baisse, l'adversaire. Il faut beaucoup se baisser, mais bon, être bête quand tu fais 2 mètres
2 mètres et le reste. Ouais. Et là, on voit quand même qu'il fait quand même l'effort de se baisser. Il fait l'effort de se baisser. Je pense qu'il y aura quand même un facteur atténuant. Il y aura un jaune et bunker. Parce que bon, non, ils mettent que des jaunes et bunker. Mais je pense que le jaune, il restera jaune. S'il met jaune. Mais quand il y a un contact à la tête, il va mettre jaune automatiquement. Jaune, de ce qu'on a vu depuis le début de la compète, généralement, c'est jaune. Après, tu as le bunker qui décide. Mais bon, on va bien voir. On va bien voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Tu as l'air de recevoir 40 000 messages. Ça t'excite depuis tout à l'heure. Vas-y, exprime-toi, garçon. C'est le numéro 4 qui risque de prendre un carton jaune. Tu es sûr ? Ah bah en tout cas. Mais Bennett, c'est bête, ouais, qui prend un carton jaune et bunker, comme on l'avait dit. Il vient s'excuser auprès de Winnie Antonio. Les deux joueurs sont touchés, ouverts un peu au niveau de la pommette. Le contact a été lourd. Donc à voir maintenant la décision qui va être prise par l'équipe de France. Il reste 30 secondes à jouer. Est-ce qu'on prend la pénalité ? Est-ce qu'on va en touche ? On va voir ce qui va être choisi. Tu as raison. C'est viril mais correct parce que il y a beaucoup de respect. Ça rappelle quelqu'un. Non mais là du coup, moi je pense qu'il faut prendre les points. Ouais, moi je prends les 3 points aussi. Et je pense aussi qu'on va pouvoir attaquer la deuxième période assez forte parce qu'on aura un avantage numérique. La pénalité qui est prise du coup par Thomas Ramos, il restera pas de temps, donc on va voir, sauf si le ballon évidemment touche le poteau comme tout à l'heure, il y aura peut-être un ballon de relance, mais sinon le temps réglementaire sera sans doute passé pour Thomas Ramos. Il reste 5 petites secondes encore avant de passer la 40e minute. Il attend évidemment Thomas Ramos et voilà, il s'élance le buteur de l'équipe de France. Et ça passe cette fois-ci. Les Bleus vont être devant à la pause. 22-19 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui fait la course en tête à la mi-temps. 22-19 pour l'équipe de France. On respire un peu mieux, surtout qu'il y a ce jaune en plus qui peut se transformer en rouge ce soir, parce que c'est sous l'observation du bunker. Ils auront même une mi-temps en plus pour décider, regarder pendant que je vais manger des pizzas ou des sandwichs à la ventrèche, comme ici au Dieu Milan. Ah ben oui, quand même. Mais monsieur Lalanne, c'est comme ça que ça se passe quand on est dans une fan zone, hein. Bien sûr. On respire un peu mieux. Je me retourne vers Max de Lonca parce que qu'est-ce qu'on a mal, parce qu'on a vu qu'on s'est pris. C'est à chaque fois sur des. Une attention quelque part, on va plus vers le même côté, alors que nous on essayait de faire du jeu d'entrée et que ça avait l'air fluide, et en plus on a retrouvé notre petit oignon, notre petit auto. Oui, bien sûr, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait on n'est pas mis à mal par leur jeu. C'est ça ? On est mis à mal par nos erreurs défensives et nos erreurs sur les ballons hauts. Vous appelez ça erreur, vous, quand même ? Ouais, c'est une erreur. C'est pas une faute d'intention pour vous ? À ce niveau-là, je pense qu'on peut qualifier ça d'erreur. Ouais, à ce niveau-là. Après, il y a le contexte, il y a la pression, il y a le. Mais là, il faut absolument que. Là, si je suis coach, il faut absolument calmer les troupes pour rester serein derrière. Voilà. Rester serein, se reconcentrer. Pas de panique. Voilà. Ouais, là, c'est un nouveau match qui va commencer. Là, c'est ça, Jérôme, les fondamentaux, coach. Les fondamentaux, oui, et pas de panique. Alors après, on est dans la lignée de tous les matchs qu'on a eu en quart de finale, c'est-à-dire des matchs très serrés, des matchs où rappelez-vous des scores hier, je ne me rappelle plus de tous les scores, mais c'était quasiment à égalité à la mi-temps. Tu veux que je vérifie, c'est ça ? Oui, peut-être. Non, si tu veux me faire bosser, vas-y. Mais rappelle-toi, c'était à un point près ou un match nul, c'était hier à la mi-temps. Alors, 18-17 Nouvelle-Zélande-Irlande, alors qu'il menait 13-0, il ne faut pas le mener non plus. Hein. Oui, c'était très très serré. Puis cet après-midi, c'était combien ? C'était 21-10 quand même à la mi-temps. 21-10, hein. Voilà. Mais on a des matchs très serrés, et c'est ça qui est sympa d'ailleurs pour cette Coupe du Monde. C'est et les fans matchs étaient incroyables. C'est qu'on a des matchs très serrés, des matchs qui sont 30-24, hyper intéressants à suivre, même si ça nous stresse un peu. Ça nous stresse complètement. 30-24. Parce qu'en plus, tu vois, Archibald, dès le début de la rencontre, quand tu as le premier essai français, tu te dis on est bien, on est chez nous, on va les jouer, on va venger 95. Berbizier, ses copains qui étaient avec nous tout à l'heure en invité, tu vois, tu te dis on joue les champions du monde en titre, on les a battus à Marseille l'an dernier. On va faire pareil, non, ce soir? Mentalement, je trouve qu'on est bien parce qu'on prend trois essais qui sont durs à encaisser parce que ils sont pas construits, c'est presque des faits de jeu, et on revient au score et on finit cette mi-temps et on passe devant. Donc ça, au niveau du mental, je pense que ça va faire du bien. Il faut qu'ils gardent le même rugby. Parce que là, on les domine. Dès qu'on a la balle en main, on est dangereux. Après, voilà, ça va être ces petites scories, ces ballons hauts. C'est ça, des scories. Le score, en tout cas, plaît dans notre faveur à 22-19 à la pause. Julien Lalanne, vous qui avez l'habitude de voir tous les rugby, vous aviez la chance d'être hier soir. Quand on regarde le score et qu'on voit qu'on a un petit carton jaune en plus avec une menace de carton rouge, 22-19, on ne va pas se réjouir trop tôt parce que vous étiez au Stade de France. Je rappelle que les Blacks, ils en ont pris combien de jaunes hier ? Oui, ils en ont pris deux, ils ont joué le quart du temps. Mais ils ont toujours mené, et puis ils menaient à la pause. Donc voilà. Bon signe. Donc c'est bon signe. Arrête. Voilà. On arrête là alors. Donc c'est toujours bien. Mais je pense que le coach sud-africain,
Mexicain ne doit pas être mécontent de la physionomie du match. Il avait mis une équipe pour répondre du tac au tac dans le jeu, dans l'exploitation des failles, dans la création de l'incertitude, et je pense que la physionomie lui plaît. Il va rester comme ça, avec cette charnière, parce que sans De Clercq et Pollard, par exemple, c'est notre choix. Je pense que s'il prend l'avantage de plus de 4 points, il fera peut-être entrer un Mourer qui joue au pied. Pour l'instant, il est mené. Il faut que ça reste comme ça. Il va rentrer à 14 contre 15. Mais je pense que ça lui plaît. Je pense qu'il est dans une configuration de match qu'il avait prévue. Vous nous suivez souvent, je sais, sur Radio Sport, et souvent même en vidéo comme en ce moment. Et je vois que Jérôme reste tranquillement à sa place, alors que nous, tu sais, à la pause, t'as une mission. Je sais pas ce qu'il va rester à manger du bibal. Je m'en vais voir. S'il n'y a pas de sandwich, tu prends des coquillages. Hein. Je m'en vais voir. Hein, tu, d'accord. Tu peux je y aller. Je t'accompagne. Et en plus, il prend son temps. Hein, tu noteras. Ah non, il y en a deux en plus. Ah oui. C'est quoi me ramener un petit peu d'eau plate pour la suite alors, de la compétition. Le temps qui sort, j'en profite. Il y a une des questions sur Internet qui est arrivée. C'est est-ce que vous savez combien y a-t-il de toilettes au vestiaire du Stade de France? Mais là, on a vu une image très sympathique que nous avons envoyé Étienne Bonamy, où les gens étaient costumés. Alors, il y en avait 5-6 sur un côté. Alors, tu veux dire à l'intérieur ou juste à l'extérieur? Dans l'intérieur, pour les joueurs et pour l'ensemble du staff. Ah, pour l'ensemble du staff, combien il y a de toilettes? Il y a 15 joueurs, 15 J'ai pas la réponse, hein, D'accord. Ah, attends, demande à Max, il sait, lui, Max de Loca. Peut-être qu'il sait. On fait la queue de temps en temps aux toilettes pour la Pro D2? Oui, ça dépend. Il y a des stades où il n'y a qu'une toilette dans le vestiaire. Ah, c'est ça. Il vaut mieux y aller en premier. Vous vous souvenez tous, hein, je me retourne vers Archibald, parce qu'il couvre évidemment le rugby ici. Moi, ce que j'adorais à une époque, même quand je commentais le football haut dans les petits stades, c'est le nombre de gens qui partent faire pipi à la mi-temps. Ouais. T'as un mur en face et le copain qui a le terrain juste à côté doit être très content. Hein, ça arrive toujours ça? À Jean Daugé, il y a les murs derrière les buvettes, comme ça on n'est pas très loin, on fait les allers-retours. Non, tout va bien. C'est comme ces terrains où t'as encore des appartements. Ça vidange rapide. Ça vidange rapide. C'est très dur d'enchaîner après ça. Et ça vidange rapide. Et c'est comme, je me souviens quand j'étais petit à Nice ou dans des terrains comme ça ou à Guingamp, tu pouvais aussi voir les matchs de foot ou les matchs de rugby directement de ton balcon chez certaines personnes. Ça existe encore. Hein. À Dax, ça n'existe pas, ça, à Dax. Hein. Non, à Dax. Vous avez réussi, vous faites payer tout le monde. Remarque, ils ont un peu élagué les arbustes derrière les tribunes. Là. Et il y a des gens, des fois, qui regardent. Gratuitement. Ouais, voilà, gratuitement. Alors, à voir si Julien Lalanne a réussi à arriver vers le buffet, ce qui n'est pas une évidence. Je ne sais pas si quelqu'un est allé faire la vidange aussi en même temps. Bon, Julien Lalanne, je pense. Ah, Julien, il pourrait nous dire combien il y a de toilettes, je pense. mais toi, t'as trouvé le bon chemin, toi, Jérôme. Quelle ambiance ce soir au Dubivan. Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, ce soir, c'est fruits de mer, donc je prépare des bulots, il y a des crevettes et il y a aussi des huîtres. Des bulots. Alors, ça, c'est une petite assiette que vous vendez ce soir, mais deux ouais, bulots. Exactement. Deux gambas. On mélange un peu tout et voilà. Voilà, et puis un peu de beurre, un peu de pain. C'est ça. Voilà. Et ça. De l'autre côté, les sandwichs, on va voir. Oui, exactement. Ah oui. Alors Hugo, là on est au sandwich, qu'est-ce que tu nous prépares toi? Alors ce soir, pour la fin de zone, on a plein. Au fumoi. Ah on oui. On a le sandwich steak à ventrèche. Chipolata et Chistora. Ça, c'est tous les sandwichs que vous proposez. C'est ça pour ce soir. Ouais. Et alors, on boit quoi avec ça? Avec modération, évidemment. Évidemment, avec modération, on boit beaucoup de bière. Beaucoup de bière. Avec modération, toujours. Modération, toujours. Bon, beaucoup de monde à ce soir pour le match. Ouais, exactement. Ah, c'est pas mal. J'aime bien le petit côté fumoir. Tu reviens, tu peux en récupérer un petit discrètement, bien sûr. Tu vois, ça serait cool pour toute l'équipe de Radio Sport ce soir. Et puis, on en laissera un petit morceau à Laurent Guénat de Sport et Tourisme qui nous rejoint. Sport et Tourisme pourrait faire pour tous les passionnés de voyage et de grande évasion. Bonsoir à toi, Laurent. Bonsoir, Christophe. Ah, ça bonsoir. Donne envie, hein. Le petit bulot, tu vois, c'est un peu comme dans le camping. Oui, ça donne envie. Ouais. Ouais, ça donne envie. Là, j'ai pas très faim, je trouve que le match est irrespirable, mais bon. Irrespirable, non. T'es comment? Non, on est tendu, quoi. Ouais, t'as raison. Je vous sens confiant, mais. Non, mais pour être plus sérieux. Mais non, mais t'es sérieux, je comprends. Je suis très sérieux, ouais. On va souhaiter au Stade de France le même destin qu'Élise Park hein, à Johannesburg, qui en 1995 avait été le théâtre de la victoire de l'Afrique du Sud, à peine 4 ans après l'abolition de l'apartheid. Ouais. Alors, c'est pas le plus beau des stades. Hein. Le Leeds Park, non, il est pas extraordinaire. Hein. C'est pas,
c'est pas le plus beau des stades. Il a, bon, il a presque 100 ans et qu'on a 100 ans, bon, on est plus très très beau malgré de l'IFI. Ah, il y a très beau centenaire. Mais il y a des très beaux centenaires, mais c'est celui qui est quand même le plus chargé d'histoire, ou peut-être l'un de ceux qui est le plus chargé d'histoire. C'est en 1995. Hein, rappelez-vous, c'est là où Nelson Mandela avait remis le trophée au capitaine blanc. Ouais. François Pinard. Bien sûr. Ça relevait de la science-fiction, hein, c'est à peine 10 ans avant. Alors, pour se rendre compte, moi, je vous conseille toujours de revoir le film Invictus, hein, l'excellent film de Clint Eastwood, même s'il y a à redire, hein, sur la demi-finale de l'équipe de France, évidemment, hein, qui nous reste tous au travers. On l'a fait tout à l'heure, et Pierre Verbizier était avec nous, tu t'en souviens très bien. Et il a revenu, c'est le jour de son anniversaire en plus, il a parlé de vol manifeste, hein, de toute façon, mais Abdelatif Benazi, qui était avec nous il y a deux jours, dit bon, il faut essayer de passer un petit peu. Géopolitiquement, c'est intéressant. Alors, ce que regrette Pierre Verbizier, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, quand tu vas quand même dans les quartiers de Soweto et tout, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup évolué, quoi. C'est un peu le souci quand même, non, c'est vrai, dans notre société. Bah, d'ailleurs, ce stade, c'est le meilleur et le pire parce que il a vécu aussi l'une des plus grandes tragédies du sport. Le 11 avril 2021, une bousculade pendant un match de football entre les Orlando Pirates et les Kaiser Chiefs. Ça fait plus de 43 morts. Alors, plus gai quand même, hein. Il a accueilli quelques matchs de la première Coupe du Monde de football qui s'est déroulée en Afrique. Donc, c'était en Afrique du Sud. Et bien, moi, j'ai eu la chance d'assister à un artiste nigérien. J'y étais là-bas et dans ce stade. Et j'ai vécu aussi ce petit bout de légende parce que j'avais Maradona qui était juste devant moi, qui coachait Lionel Messi. Donc, Et t'as demandé un autographe au moins, non? Non, mais il avait l'air en pleine forme, Maradona, je me souviens. Ah ben, il a toujours été en pleine forme, hein, dans tous les sens du terme. Ouais, mais... Alors, qu'on peut peut-être regretter ou non, hein, je sais pas. Il a été renommé le stade Emirates Airline Park en 2015. Quoique, quand j'y étais en 2010, je crois qu'il a déjà été renommé Coca-Cola, donc il a beaucoup de noms. Mais tu sais qu'en France, pendant la Coupe du Monde de rugby, on débaptise, hein, on enlève le naming, hein, parce qu'on appelle ça le stade de Lyon, tu vois. Stade de France, pour qu'il n'y a pas de sponsor, lui. Je savais pas. Mais quand tu as une histoire aussi riche que ce stade, le naming a du mal à prendre. Hein. C'est-à-dire, c'est rassurant d'ailleurs. Mais pour tout le monde, ça reste quand même l'Élysée Park, hein, du nom de ce monsieur qui est. Marseille, c'est le Vélodrome, même si c'est l'Orange Vélodrome, tu vois, le Parc des Princes. Ouais, je sais même pas si. Attends, je me retourne vers Jérôme qui connaît, je crois. Tu connais le PSG un petit peu? Non, j'ai oublié. C'est du foot ou du rugby? Ils l'ont pas vendu, le PSG, pourtant. Ils c'est pas le Qatar, par exemple. Le Stade de France qui va la racheter? Non, mais je veux dire, le Parc des Princes, il n'a pas été changé. Ah non, le Parc des Princes appartient toujours à la ville de Paris. Toi, t'as le Groupama Stadium, t'as l'Alliance Riviera. Ouais. Mais le Parc des Princes, on ne peut pas changer de nom. T'es sûr? Parce que ça appartient à Paris? Parce que ça appartient à la ville, puis on n'a pas envie, nous. Bah, c'est le Qatar Airways des Souilles, tu vas changer de nom, mon garçon. Le Qatar Airways Stadium. C'est formidable, tu mettais de quel siècle, Daniel Herrero, le sosie officiel. C'est loin, ah là. Non, mais bon, pour dire sur l'Élysée Park, le mieux, il y a un musée, hein, qui retrace les footballs de rugby. Mais le mieux, parce qu'il y a encore deux clubs, hein, qui évoluent dedans. Il y a un club de rugby, les Lions, en Super 14, ou Super 14, je sais pas comment on dit. Et les Orlando Pirates, qui est l'une des équipes de première Soccer League. Donc, c'est assez facile de trouver un moment pour aller voir, d'aller voir un match, c'est encore le mieux que qu'aller au musée. Oui. À mon avis, pour vivre ce stade qui est vraiment, vraiment mythique, hein, pour tout ce que j'ai dit sur l'Élysée Park. Hein, hier, on a parlé du stade de l'Eden Park, hein, bien sûr, pour parler des Blacks. Oui. Merci Laurent d'avoir été avec nous. On retrouve ta chronique et tous les bons conseils pour faire autre chose aussi, venir à Osgore, par exemple, au Dubiman, sur ton site, excellent site avec David Savary, Sport et Tourisme. On te retrouve le week-end prochain, quoi qu'il arrive, pour les demi-finale, et ce sera France-Angleterre. Merci, on va gagner. Merci. On va gagner, ce sera France-Angleterre. On revient tous sans plus tarder avec nos invités ce soir, je les rappelle, qui sont autour de nous, avec un habitué maintenant qui nous fait la gentillesse de revenir, parce qu'on prend beaucoup de plaisir à le recevoir avec nous, notre confrère Archibald. Dis-moi Archibald, c'était quoi le titre? Tu l'as le titre de Sud-Ouest aujourd'hui, à la une? Non, tu t'en souviens pas? D'accord, c'est bien. Bon boulot. T'es en vacances? Non, mais il faisait du surf, mais il a bien voilà, travaillé. Voilà, non, mais en plus, c'est ça. C'était dimanche. Bon match ce soir, voilà, bon dimanche. Avec Julien Lalanne qui préside à beaucoup de choses à l'intérieur de l'US Dacquoise. Et puis, Max Delonca qui nous fait la gentillesse de venir. C'est quoi, 48 heures après? Même pas, oui, c'est 48 heures après un match contre Vannes. Ouais. Que vous avez perdu en Pro D2. Ouais. Mais je dois vous féliciter parce que l'essai que vous avez marqué, c'est digne de ce qu'on a vu en championnat du monde, en Coupe du Monde. Il était magnifique cet essai que vous ponctuez, que vous concluez. Ouais, il était super beau. Et puis, en fait, c'est la philosophie de notre jeu à Dax. C'est un jeu où il y a beaucoup de passes et beaucoup de mouvements.
Et c'est pour ça qu'on embête beaucoup d'équipes aussi, parce qu'on arrive à se faire des passes dans des conditions des fois parfois compliquées, et on arrive à sortir des très belles actions et marquer des superbes essais comme on a marqué celui. C'est une vraie grande équipe, c'est une vraie ville de rugby comme ça. Hein. Bah, c'est une vraie ville de rugby. Je pense que le club méritait aussi, après ces années mauvaises, très difficiles, de retrouver aussi la Pro D2, parce que c'est, il y a des dirigeants en or, il y a des bénévoles qui sont en service, il y a des supporters qui méritent aussi de retrouver l'engouement de ces matchs de haut niveau, bien sûr, de niveau 3. Voilà, je m'entends. Non, en plus la Pro D2, on la voit chez nos copains de Canal par exemple, il y a un vrai suivi. Ouais, non, bien sûr, c'est un club qui mérite de retrouver l'élite du rugby français, et nous on fait tout pour le faire exister, et on va tout faire pour essayer de le maintenir en Pro D2. Mais continuez comme ça, bien sûr. On va essayer. Deuxième période à venir, l'équipe de France qui mène 22-19 dans son antre du Stade de France après l'entrée en matière face à la Nouvelle-Zélande. Tout de même, l'une des plus grandes nations mondiales, et cette victoire, la première défaite en phase de groupe, on le rappelle quand même pour les Blacks. Ce soir, c'est un champion du monde en face de l'équipe de France. Trois petites bévues, des scories, comme vous l'appelez comme vous voulez. Et les yeux d'Emilie sont là. Redonne-nous un peu le moral. Vas-y, derrière, parce qu'il y a les bandas ce soir. Vas-y. Ils sont là. Alors je vous conseille d'aller retrouver quand vous aurez le temps sur Radio Sport. On a l'histoire, on a retrouvé grâce à toi Fabrice, l'harmonie qui a relancé ce succès de Joe Dassin dans les salles de basket, c'est ça, Orthès, hein. Tu t'en souviens ? Il était avec nous l'autre jour. Tout à fait. Ouais, là, c'est bien, on a retrouvé l'origine du retour de cette musique, parce qu'il y avait Free From Desire de Gala qui revenait souvent. La musique, ça fait toujours partie de notre métier, c'est vrai. Donc allez retrouver cette chronique, tout comme tout savoir en parler d'Ellis Park, de ce qui s'est passé à Durban un 17 juin 1995, et cette défaite en demi-finale sous la pluie. Des trombes d'eau à terrain impraticable, on se souvient des gens qui passaient des grosses raclettes comme ça pour enlever l'eau. C'était assez incroyable. Et cette défaite de l'équipe de France qui est restée en travers de la gorge, voire plus, de Pierre Barbizier, qui était l'entraîneur à l'époque. Tony Molina pour le retour de la deuxième période. On mène pour l'instant 22-19 et nous sommes à 15 contre 14 pour ce début de deuxième période. Le coup d'envoi qui vient d'être donné par Mathieu Jalibert est décision confirmée. Ça restera un carton jaune pour Ed Sebet après son plaquage sur Winnie Antonio. Donc voilà, il reste 10 minutes au bleu, un peu moins de 10 minutes, 9 minutes en supériorité numérique, et les bleus là qui ont mis la main sur le ballon là, sur ce début de seconde période. On est sur la ligne des 40 de l'Afrique du Sud. Attention, ce coup de pied là de Mathieu Jalibert qui a été contré par les Sud-Africains, et derrière on a commis un en avant du côté des bleus. Ça serait une mêlée Afrique du Sud après 40 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps sur la ligne des 40 Springbok. Le souci de toute façon, messieurs, c'est de gérer cet avantage. On sait toujours, on a déjà parlé, Jérôme, dans l'émission, il faut gérer cet avantage d'unité, quoi, 15 contre 14. Alors oui, il faut des fois ça chamboule complètement un match, des fois ça chamboule pas du tout, et on est presque parfois plus fort quand on est en infériorité numérique. Alors il faudrait pas que ça soit le cas. Tu dis ça pour en les Blacks cas, oui. Non, mais dans tous les sports. Là, il faut en profiter. On a 10 minutes, puisque le carton a été validé, un jaune. Oui. On a 10 minutes pour essayer de faire une petite différence. Max de Lonca, j'ai ma question récurrente. Après, on suit la mêlée, mais très rapidement. La faute de Tchébeste, franchement. Quand on voit qu'il fait l'effort de se baisser et tout, c'est le problème aujourd'hui, c'est un peu comme le basket, c'est faute offensive, ça vous énerve ou c'est logique ? Non, c'est logique, c'est comme ça, c'est la prévention du joueur, c'est la protection du joueur. Donc il n'y a pas de discussion ? Il n'y a pas de discussion pour moi, c'est comme ça, c'est les règles. Merci, ça a le mérite d'être clair au moins, ça est dans mon esprit. Ça m'énerve, alors au basket encore plus, en rugby un peu moins, vous avez raison. Tony ? On vient de voir une grosse poussée française sur la mêlée qui n'a pas été récompensée, mais la pression est mise là sur les Springboks qui sont obligés de passer par un jeu au pied de Cheslin Colby qui a failli être directement en touche, mais non, elle finit par rebondir juste devant la ligne de touche. Ça sera une touche française sur la ligne des 40 environ des Bleus. Ouais, des Bleus qui doivent, c'est vrai, on l'espère en tout cas, Archibald, nous montrer le même visage en début de deuxième période que lors de la première. Ouais, il faut qu'ils repartent sur les mêmes bases là. Le petit coup de pied de Mathieu Jalibert qui a été contré, l'en avant derrière. Mais bon, on garde le ballon. Il faut aller vite jouer dans leur camp. Allez, touche avec. Allez, touche Pea Tomovaca sur les 40 mètres. Elle est captée par Charles Olivon qui retrouve directement Cyril Baye. Et c'est Antoine Dupont là qui
qui a mis les mains sur le ballon, qui tape au pied dans l'axe. Attention, ce ballon, il peut gêner dans les Sud-Africains, dans Manili Bok. Non, c'est Willem Sela qui a récupéré ce ballon. On est sur la ligne des 50 mètres là, avec le ballon toujours dans les mains sud-africaines. Non, il a été échappé, récupéré là par l'équipe de France. Il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, en contre-attaque avec Charles Olivon là, qui est passé. Il a passé les bras directement à Péa Tomova. Quand on enchaîne avec des passes après contact, c'est joli là ce que nous proposent les Bleus. Est-ce qu'il y a une faute peut-être des Sud-Africains? Non, le ballon qui est toujours dans les mains de l'équipe de France avec Gaël Ficou sur le côté droit là, qui tente de tromper la défense sud-africaine. Il finit par être plaqué. Antoine Dupont qui ressort le ballon pour Charles Olivon. Mathieu Jalibert qui évite un plaquage et qui trouve Jonathan Danti. Jonathan Danti qui est arrêté par deux Sud-Africains. Une nouvelle fois, on est rentré dans les 22 mètres des Springboks. Antoine Dupont qui est gêné sur sa sortie. Attention, aïe, là, d'un avant commis. C'est dommage par Damien Penaud. Le ballon n'était pas évident. Hein. La sortie de balle d'Antoine Dupont était assez approximative. Et du coup, Damien Penaud qui commet un en avant. Ça sera une mêlée sud-africaine dans leur camp. C'est pas le sort de Penaud pour l'instant. Max, je vous vois à chaque fois gesticuler. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais que vous voulez rentrer sur le terrain. Je suis dans le match. Je trouve qu'on joue très bien. Après, là, il faut être vigilant, surtout sur les zones de ruck. Parce qu'ils font beaucoup de contre-ruck. Donc, il faut être un peu plus présent dans ces zones-là, parce qu'après, ils nous mettent en difficulté. Je croyais que vous critiquiez les choix, peut-être, de direction, de ballon. Non. Les choix sont très bons. Là, ce qui est important pour la France, c'est d'aller jouer chez les box et de les pousser à la faute. Ah, il faut les pousser à la faute, évidemment. Tony Molina. Il reste 5 minutes encore à l'équipe de France là, en supériorité numérique. 5 petites minutes avant que Edzebet revienne sur la pelouse. Allez, il faut essayer de marquer là avant qu'il soit à 15 une nouvelle fois les Springboks. Ça va être une mêlée sud-africaine, le ballon dans les mains de Kobus Reynak. On va voir si elle tient cette mêlée. On rappelle que les Bleus avaient été pénalisés là en fin de première période. Pour l'instant, elle a l'air de tenir des deux côtés. Elle est assez stable cette mêlée. Le ballon qui va pouvoir être sorti là par Kobus Reynak, qui va partir sur l'extérieur, sur le côté droit là, avec Manili Bok qui tape au pied, qui va trouver la touche. Voilà, on prend pas de risque du côté des Sud-Africains. On dégage, on fait passer le chrono petit à petit pour attendre le retour du deuxième ligne et de ses bêtes. Allez, ils vont attendre le plus possible, évidemment. Ils vont tout faire pour nous contrarier dans ce début de deuxième période. Et les changements qui se précisent, vous le savez, entre la 45e et la 55e minute, ça va pas tarder côté Sudaf. Ouais, ça a même commencé avec Fab de Klerk là, qui fait son entrée, qui remplace Kobus Reynak. Voilà, le demi de mêlée. Pour l'instant, pas d'André Pollard sur la... Si, André Pollard aussi est rentré, pardon, qui a remplacé Manili Bok. Donc c'est toute la charnière qui a été changée assez tôt dans le match. 45e minute pour l'Afrique du Sud, et aussi un changement en deuxième ligne avec l'entrée de RG Sniman qui remplace Moster. Voilà, donc du coaching très tôt. Allez, la touche, elle a été jouée rapidement là par l'équipe de France en début d'alignement. Attention de ne pas être gratté ce ballon là. Les Sud-Africains qui viennent gêner la sortie de balle d'Antoine Dupont. Antoine Dupont qui est parti, allez, sur l'extérieur. C'est bien fait ce que fait Antoine Dupont. Il tape au pied, il va suivre. Allez. C'est suivi aussi par Louis Bielbarré. Le ballon qui a été réceptionné par l'arrière Willem C. Mais c'était bien fait. Quel coup encore fait par Antoine Dupont sur le côté gauche. Là, il avait vu l'espace. Est-ce qu'on a récupéré le ballon du côté de l'équipe de France? Oui, il semble être dans les mains de l'équipe de France. Oui, le ballon, le contre-rack de l'équipe de France dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud. C'est bien fait là ce que le font nos Bleus. Allez, il faut continuer avec Anthony Gelon là qui est parti sur le côté droit du rack. On va peut-être écarter là avec Péa Tomova qui avait une position de hors-jeu de l'Afrique du Sud. L'arbitre pour l'instant qui ne lève pas son bras. Du coup, on est ressorti des 22 mètres là du côté de l'équipe de France. Ça sera même une pénalité pour l'Afrique du Sud sur ce rack. À voir s'il n'y avait pas une position de hors-jeu quand même. Une position de hors-jeu, ça a l'air d'être flagrant. Il y a un avant sur le plaquage. Bon, après, à chaque fois, quand on revoit les images ralenties, on peut peut-être revenir. Non, mais ça va tellement vite. Après, l'arbitre, il est en liaison totale. Donc là, pour l'instant, il a l'air de réfléchir à l'arbitre. Peut-être qu'il va te demander un petit contrôle ou pas, mais ça, comme il n'y a pas d'action dangereuse, ça va repartir automatiquement. Non, ça repart avec une pénalité sud-africaine. La touche qui est trouvée, on repart là dans le camp de l'équipe de France. C'est dommage, c'était bien fait ce qu'avait fait Antoine Dupont sur cette action. Vous avez une petite stat depuis tout à l'heure que vous me cachez, Jérôme Armand. Pourquoi vous ne la donnez pas, cette stat? Elle est bonne. Bah, une petite stat qui dit qu'il y a eu 6 essais marqués. Bah ouais. 6 essais marqué en première mi-temps de ce match, le plus grand nombre jamais enregistré sur un match à élimination directe sur une World Cup. C'est également la première fois que l'Afrique du Sud concède ses deux essais dans la première mi-temps d'un match, sans précédent. Et les trois essais français, c'est les essais d'avant, hein, c'est la première ligne qui a marqué les trois essais. Il ne faut pas l'oublier, surtout qu'on a un talonneur avec nous. Alors la touche, justement, généralement nouveau c'est le talonneur. Nouveau changement pour l'équipe de France avec Sia Colissi qui est changé. Le ballon qui a été contré par l'équipe de France, non, le ballon qui reste dans les mains sud-africaines. Déjà quatre changements pour l'Afrique du Sud, il n'y en a pas eu du côté tricolore. Donc voilà, un choix différent pour les deux staffs. Pour l'instant, on met du 109 très tôt dans ce match du côté de l'Afrique du Sud. On va voir si ça paye à la Fab de Klerk là qui démarre. Attention là en avant des Springboks, on s'est mal compris. En avant là de Steven Kitschoff là, ce serait une mêlée française du coup
au même endroit que la touche, là, entre les 40 et les 50 tricolores. Et De Clercq qui s'est bien fait embarquer après le petit Raon sud-africain, avec ses cheveux très reconnaissables, évidemment. Vous vous souvenez de Raon? Ah, bon, on peut pas. Raon, Gadget. Oui, Gadget. On peut pas le rater, lui. Hein. C'est le seul qu'on reconnaît presque dans. Ouais. Là, si l'arbitre est réglo, il y a pénalité pour les Français. Oui. On est d'accord. Vous l'avez vu celle-ci, hein? Un avant repris devant, pour moi. Rappelez ce qui s'est passé, parce que c'est pour ceux qui nous écoutent qui ne voient pas. Faf De Clercq veut jouer avec son second ligne, il me semble, ou avec Dutoit. Et Dutoit touche le ballon donc en avant, mais sauf que Faf De Clercq est devant, donc logiquement. Logiquement, il y a pénalité. Ouais. Ah, on est vigilant sur cette action, et encore une fois, on a laissé beaucoup jouer depuis le début. Alors si ça joue de deux côtés, c'est moins grave, il ne faudrait pas qu'on soit pénalisé façon 95, hein, et d'avoir 4 essais refusés, on s'en souvient tous, hein, avec toute l'équipe de Pierre Verbizier. On attend la fin du... On regarde le chronomètre, hein, côté sud-africain. Il reste 2 minutes quasiment. Combien ? Il reste 2 minutes avant sa rentrée. Pour l'instant, ça n'a pas été très fructueux c'est souvent comme ça. Au niveau tableau d'affichage. Ouais, c'est souvent comme ça, de toute façon. On fait des jouets, on a fait des changements, on a changé de tactique également côté sud-africain. Évidemment, côté sud-africain. On va voir ce qu'ils vont réaliser les Français. Allez, la mêlée française, elle a été stable. Et Antoine Dupont, il a sorti pour Mathieu Jalibert. C'est bien joué. Il a retrouvé Charles Olivon qui a passé à Jonathan Danty. Et les Français, là, qui ont gagné quasiment 30 mètres. Allez, on est installé là dans, dans la zone de défense des Sud-Africains. On se rapproche des 22 mètres avec Thomas Ramos. Là, est-ce qu'on est venu gratter? Oui, on est venu gratter du côté sud-africain. Même le bras qui était tendu, sans doute, pour un en avant tricolore. Et le ballon qui va être dégagé là par Mani Libok. Et le ballon qui va rester sur l'aire de jeu. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire en contre-attaque là pour l'équipe de France avec Mathieu Jalibert une nouvelle fois qui est là, qui navigue, qui rate, qui évite de plaquage. Là, il est venu dans le trafic. On est une nouvelle fois sur les 40 avec Anthony Gelon qui a récupéré le ballon, qui s'est de suite relevé et qui avance. Et une nouvelle fois, on se rapproche petit à petit, une nouvelle fois des 22 mètres. Il reste 50 secondes en supériorité numérique là pour l'équipe de France. Il faut essayer d'en profiter avec Damien Penaud. On l'a pas beaucoup vu, qui est venu chercher Peato Movaca sur l'aile. Peato Movaca qui retrouve Damien Penaud là juste avant de sortir en touche. On tente de venir gratter du côté des Sud-Africains, ce qu'on se met à la faute. Non, pour l'instant, pas de bras tendu là pour Monsieur O'Keefe. Le ballon qui est ressorti. Est-ce qu'on va tenter quelque chose sur l'aile avec Mathieu Jalibert qui a trouvé Gelon au soutien. Le ballon qui est gratté. Non, le ballon qui est perdu par l'équipe de France sur un avant. Et du coup, on va pouvoir se dégager pour l'Afrique du Sud. Là, ça fait plusieurs actions là dans les 22 mètres sud-africains où on perd le contrôle de la balle malheureusement pour l'équipe de France. Et là, du coup, on passe par un coup de pied de dégagement. Petit dégagement quand même hein, pour l'Afrique du Sud. On aura une touche environ sur les 30 mètres à peu près de l'Afrique du Sud pour l'équipe de France. Il manque mon petit drop, moi, quand c'est comme ça. Oui, il manque le petit drop. Par contre, on leur met une pression terrible. Ah, dommage qu'on ne score pas, évidemment, mais on met une pression terrible. Et la satisfaction, tu sais quoi, Jérôme, c'est que physiquement, on est là. Alors, physiquement, on est là. Ouais. On fait quelques petites fautes, mais on récupère les ballons. On est là, on repart de l'autre côté du terrain. On alterne le jeu. On est bon. Attention, ça rentre. On va être à 15 contre 15, Tony. Non, on va être à 15 contre 15 avec le retour d'Eben Etchebet sur la pelouse. Donc on aura marqué 3 points pendant cette supériorité numérique. La pénalité de Thomas Ramos en fin de première mi-temps. Et sinon, on a eu des occasions. Les joueurs qui vont souffler un peu des deux côtés. Là, les staffs médicaux qui sont rentrés pour soigner et donner de l'eau un peu. 49e minute de jeu, toujours aucun changement pour l'équipe de France. Ça, c'est important. Pas de changement, ça veut dire qu'on est très très bien physiquement. Max, juste, on a parlé de placement des Français. Le placement du talonneur à chaque fois dans des actions offensives, il est toujours comme ça à manger la craie, côté gauche ou côté droit? Ça varie selon les équipes, mais c'est vrai que maintenant on dit que souvent que les talons, en fait, c'est les troisième lignes. C'est ça, hein. Donc, en fait, ils sont utilisés en rôle de joker. Donc, en fait, ils se baladent un peu partout sur le terrain. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent en bout de ligne. Enfin, moi, maintenant, à 35 ans, un peu moins. À part ce week-end, où j'ai eu la chance de me retrouver là. Ils vous ont laissé tranquille sur le côté. Ouais. Repose-toi, on arrive. Mais voilà, les Movaca, tout ça, c'est des talons modernes. Donc, c'est des talons qui ont des pointes à 30 à l'heure. C'est des mecs qui sont gazés. Voilà, donc tu les utilises beaucoup en troisième ligne. Quoi. Les changements à venir, comme prévu. On attend d'arriver vers la 50e minute côté Galtier. Tu nous fais la petite sélection du patron, Tony? Oui, tout à fait. Il y a eu du changement avec Taofi Fenois qui a remplacé Thibaut Flamand et Cyril Bay qui est sorti. On rappelle deux essais marqués pour Cyril Bay, remplacé par Reda Wardi et la touche qui a été parfaitement captée par l'équipe de France et le ballon porté qui s'organise. Attention, essai bête. Là, on voit qu'il tente de progresser dans ce mol pour venir mettre les mains. Il a été retenu là par Camerono qui s'est bien fait. Les Bleus qui peuvent sortir ce ballon là par Antoine Dupont qui est venu lancer Gaël Ficou qui a été arrêté par la défense sud-africaine. On continue avec Gelon qui échappe une nouvelle fois ce ballon. Il n'y a pas d'en avant. Non, c'est un en avant sud-africain qui a été déclaré. Allez, le ballon qui reste dans les mains de l'équipe de France.
course avec Grégory Aldrit. Grégory Aldrit, il a été arrêté par un joueur, mais il a réussi à rentrer dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Allez, allez, on est re-rentré une nouvelle fois. C'est la troisième fois qu'on rentre dans les 22 mètres pendant cette deuxième période. On va voir si ça finit par marquer là avec Peato Movaka qui est arrêté. On tente de venir gratter à chaque fois quasiment. On gêne toutes les sorties de balles d'Antoine Dupont là du côté sud-africain. Et c'est bête qui avait attendu Anthony Gelon là, qui l'a arrêté. On est toujours à l'entrée des 22 mètres sud-africains. Pour l'instant, on ne progresse pas. Premier ballon de Reda Wardi, là, le pilier gauche de l'équipe de France, qui s'est mis dans l'avance. Et on enchaîne là, les pick and go. On tente de venir gratter nouvelle fois. Et en avant, Komi, non, ça sera une pénalité, j'ai l'impression. Ou un en avant sud-africain. Le bras est tendu du côté de l'arbitre. C'est un en avant sud-africain qui a été signalé. On aura une mêlée française dans les 22 mètres des Springboks. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Je vois sur mon côté droit, sur mon flanc droit. Les Dakois sont en colère. Vas-y, allez-y, Julien Lalanne. On va vous brancher votre petit micro parce que comme on n'arrive pas à le calmer depuis le début du match, on a coupé un peu le micro. Ouais, Julien. Je disais, c'est un arbitre à bagarre. Vous savez, quand l'arbitre qui peut faire. La générale. Il peut lancer l'étincelle. Pas là, ça n'arrivera pas, mais bon. Autrefois, bon, je pense qu'il y aurait eu. Il y aurait eu des sanctions. Il y avait des sanctions. Des sanctions non arbitrales. Je vois que ça change beaucoup. Je crois qu'on a terminé les changements presque côté Sudaf, non ? Il va rester qu'un joueur. Il va rester Vincent Coq, le pilier droit sur la pelouse. Mais sinon, Willy Leroux vient remplacer Damien Willemse. Il y a eu du changement aussi en pilier gauche avec Oxney qui est rentré. Et voilà, du changement. Et Quagga Smith aussi, le troisième ligne qui est rentré sur la pelouse. Donc voilà, les Sud-Africains qui ont fait quasiment tous leurs changements à la 50e minute de jeu. Très bien. L'œil avisé, comme toujours, d'Archibald pour Sud-Ouest. Tu as vu quelque chose quand même dans l'air de jeu, là, il y a quelques instants côté Sud-Af. Dans les rucks, ils sont vraiment à la limite. Hein. Ils ont bien appris de leur match contre les Irlandais. Les rucks, ils viennent, ça plonge. Là, on l'a vu taper sur le ballon dans les mains d'Antoine Dupont. C'est vraiment à la limite, quoi. C'est dur, c'est très dur. Je sens aussi très tendu, Jérôme Armand, depuis que les minutes s'égrènent. Tu as remarqué ? Je suis tendu parce qu'on a que 3 petits points d'avance. 22-19. Il faut marquer, là. Il faut prendre un petit peu le large. Mais est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Oui, on peut. On est meilleur qu'eux. Mais ils sont filous. Ouais. Il faut que l'arbitre soit vigilant, là, au lieu de parler de capitaine. Là, il faut qu'il regarde de plus près, là. Attention, j'ai l'impression qu'Antoine Dupont enlève son casque. Je sais pas, ou alors il le réajuste, mais... Non, il le resserre, j'ai l'impression. Il le referme. D'accord. Il faut qu'il tienne 80 minutes. C'est le moment, là. On a une mêlée pour nous. Hein. C'est déjà formidable qu'Antoine puisse tenir autant. Évidemment. Parce qu'il est tellement ce facteur X, hein, cette personne qui peut... Et il l'a rappelé tout à l'heure, Max, hein, sur Radio Sport. C'est un joueur hors norme. Il ne faut pas le perdre tout de suite, on est d'accord, Max? Il faut le faire jouer le plus longtemps possible. Bah, tu peux le perdre, mais à la 83e, quoi. D'accord, hein, 83e. Moi, ça me va. Non, mais c'est difficile, c'est un métronome. Et on sait qu'il revient, quoi. Non, mais là. C'est pas 3 semaines de vie de long fleuve tranquille, tu vois, pour lui. Hein. Alors là, on a une situation favorable. Hein. Donc là, sur la mêlée, il faut prendre le ballon, il faut enfoncer, il faut y aller. Dans les 22 mètres, on est environ à 15 mètres de la ligne en but, sachant que François Cross là, vient de rentrer dans le pack français pour remplacer Anthony Gelon. La mêlée qui va être rejouée, les joueurs ont été relevés par l'arbitre. Là, on n'a pas laissé assez d'espace là au niveau. C'est la faute des talonneurs, toujours la faute des talonneurs. De la ligne d'avant. on va repartir. 51e minute de jeu. La mêlée qui va se mettre en place petit à petit. Pour l'instant, il y a juste Reda Wardi qui est rentré devant. Mais sinon, il reste toujours Peato Movaka et Winnie Antonio dans la ligne d'avant de l'équipe de France. Allez, on va voir cette mêlée, la première de Reda Wardi à gauche sur ce match. Allez, la mêlée qui est introduite là par Antoine Dupont. Ça a l'air stable pour le moment des deux côtés. Il y aura même un avantage pour l'équipe de France. Allez, il y a quelque chose à faire. Peut-être un avantage. Antoine Dupont, il va partir sur le côté droit là, avec Mathieu Jalibert qui évite un plaquage. Il a fait une feinte de frappe là, mais il a préféré aller derrière au contact de la défense. Allez, il y a encore le ballon dans les bras des avants. Winnie Antonio qui préfère écarter. Une nouvelle en avant. Non, le ballon a été échappé, mais c'était en arrière. On est sorti des 22 mètres là du côté de l'équipe de France avec Gaël Ficou qui est repoussé par la défense sud-africaine. Attention là de ne pas se faire gratter. Allez, le ballon. On va revenir à la pénalité. Allez, on va revenir à la pénalité dans les 22 mètres. On va voir le choix. Sans doute les points pour l'équipe de France là. Bien sûr. Dans les 22 mètres. 52e, 22-19. Toujours, il n'y a pas eu un point de marqué pour l'instant dans cette deuxième période. En deuxième période, alors que la première période, on l'a rappelé, était l'une des plus prolifiques, si ce n'est la plus prolifique au niveau des essais. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas marqué un seul point. Alors, qu'allons-nous faire, Max? Il a l'air d'être... On voit surtout l'importance d'un Romain Taoufénois en mêlée. C'est très important d'avoir un gros droitier
Flamand et Hockey, ils sont très très bons dans les airs et ballon en main, mais t'as besoin quand même d'un second ligne vraiment costaud pour l'envoi qu'on a récupéré de mêlée. C'est, je pense que c'est en partie grâce à la rentrée de Romain. Et à chaque fois, on les célèbre beaucoup, je trouve, dans cette compétition. C'est vrai, peut-être plus qu'avant, je trouve qu'il y a un rôle de cette première ligne, des avants, des gros, comme on les appelle affectueusement. Ouais, c'est très important parce que souvent, la mêlée, ça te fait gagner les matchs. Comme la touche, bah c'est oui. Pareil, c'est important d'avoir ses ballons, c'est important de capitaliser aussi la domination que tu as sur des moments comme ça. C'est important ce qui se passe sur la pelouse là, parce que si on met des points en plus, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir les 3 points. On a choisi les points. Antoine Dupont a montré les poteaux. Elle est assez facile, cette pénalité pour Thomas Ramos, un tout petit peu excentré sur la droite, mais elle est assez évidente pour lui. Donc on a choisi les points là pour l'équipe de France. Ça permettrait là de prendre 6 points d'avance et se mettre à l'abri d'un essai. Pas d'un essai non transformé, mais d'un essai non transformé. Oui, et aussi d'une pénalité, parce qu'on le sait, en cas d'égalité, on partirait en prolongation. Donc, après, j'ai le règlement, t'inquiète. Ces points, Thomas Ramos s'élance et ça passe sans problème, évidemment, pour le buteur de l'équipe de France. Allez, l'équipe de France qui prend 6 points d'avance. 25-19, on sent toujours la tension là du côté du staff, mais on respire un tout petit peu au Stade de France quand même. Allez, un petit coup d'Emilie, attends, vas-y. Parce qu'il y a un petit côté respirable quand même, hein, pour l'instant. Hein. Et donc c'est la petite boule au ventre, donc un petit coup d'Emilie, ça fait du bien. C'est reparti déjà, allez. C'est reparti, le coup d'envoi qui a été donné très très rapidement là par les Sud-Africains. Ça a été capté par Grégory Aldrit. Et là on va de suite se dégager. Là Antoine Dupont qui demande à ses avants de venir, et d'Awardi et Romain Tofenois qui se sont mis en liaison pour protéger leur demi de mêlée qui va pouvoir passer par un jeu au pied. Là on se dégage, le ballon qui va rester dans l'air de jeu, non, le ballon qui sort, est-ce qu'on le joue rapidement? Non, très beaucoup de pied là de dégagement d'Antoine Dupont, et est-ce qu'on la joue rapidement? On recule du côté des Springboks, mais non, on va la jouer au niveau de la touche, à peu près sur la ligne des 50. Les 10 commandements, on va jouer rapidement encore. Les Springboks qui veulent dynamiter un peu ce match. Là on la joue rapidement avec Faf de Klerk là, qui a eu du mal à capter ce ballon et qui, attention, qui l'envoie sur l'aile là, mais peut-être des imprécisions, les Bleus n'en ont pas profité, les Springboks qui ont toujours la main sur le ballon, sur leur 40 mètres, ils écartent avec Chessine Colby, attention, la vue très dangereuse là en première mi-temps, l'ailier des Sud-Africains, Faf de Klerk, une nouvelle fois là, qui sort le ballon là pour ses avants, il n'y a plus de vitesse là du côté des Springboks, on tente de venir gratter du côté de l'équipe de France. Gaël Ficou semblait réclamer quelque chose, mais non, allez, on repasse par une chandelle du même côté de ce qu'on a fait en première mi-temps sur Louis Bielbarré. Il est gêné, Louis Bielbarré, ça a été capté par Arens, et attention, c'est bien fait une nouvelle fois, et c'est toujours le même schéma là avec ce jeu au pied très très haut là, et Louis Bielbarré là qui n'a pas pu récupérer la balle, et du coup le ballon il est maintenant tout proche des 22 mètres de l'équipe de France dans les mains des Sud-Africains. Attention, il n'y a pas à se faire piéger une nouvelle fois dans la défense, on est rentré dans les 22 mètres de l'équipe de France là du côté des Sud-Africains. La défense qui tient le coup avec Grégory Aldrit qui est monté très vite là sur les attaquants sud-africains. On écarte une nouvelle fois, attention là, Winnie Antonio là qui n'a pas réussi à plaquer, ça avance du côté sud-africain, on est bien rentré dans les 22 mètres, on tente de venir gratter, on réclame quelque chose du côté des Bleus, l'arbitre qui ne dit rien. Oui. Si, pénalité pour l'équipe de France. Oui. Magnifique ce grattage une nouvelle fois là de l'équipe de France qui va pouvoir se dégager, grosse action défensive là des Bleus, la joie des Bleus, hein, parce qu'on le voit tout de suite, hein. On l'a remarqué Archibald, hein. Dès qu'on a réussi à gratter ce ballon, quoi, c'est à l'intérieur. Ça fait du bien. J'ai cru qu'il n'allait pas siffler. Il a mis un temps là. Les secondes durent des minutes. Il a attendu 5 secondes de plus, je pense. Il a dû gratter 15 secondes. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Fabrice reçoit plein de messages, hein, comme vous, j'imagine. Tous les copains qui regardent le rugby, parce que c'est une soirée familiale, que le rugby, c'est ça, c'est que tout le monde regarde. Tout le monde a envie de voir ses Bleus jusqu'au bout. Et parce qu'il y a une vraie frénésie, parce que depuis un mois et demi maintenant, on est dans cette Coupe du Monde et qu'on y est là, à ce quart de finale. Je sais pas comment ça réagit chez toi, mais sur l'arbitre, ça envoie du gros. Même si tout à l'heure, notre arbitre à nous, l'arbitre réserviste du top 14, Adrien Marbeau, nous disait non, pour l'instant, tout est correct. Ah, il peut pas. C'est le corporatisme. Ok, vous lui direz tout à l'heure. Oh là, gros coup de pied complètement raté par Mathieu Jalibert. Là, il a complètement dévissé. Le raconte parce que j'ai complètement loupé. Il a trouvé la touche en arrière. Voilà, donc c'est rare de faire ça, mais la touche sera dans les 22 mètres tricolore. Ah, ça fait mal à la tête des Bleus, mais là vraiment complètement dévissé ce coup de pied. Il y a de la fébrilité, mais c'est normal, c'est la Coupe du Monde, c'est le quart de finale, on est chez nous, on a tellement de pression, une grande équipe comme la nôtre qui n'a toujours pas de titre, on a envie d'aller jusqu'au bout, évidemment, surtout à domicile. Est parfaitement capté là par Cameron Hockey et les Bleus qui vont pouvoir se dégager. C'est dommage, on aurait pu aller s'installer un peu plus loin avec le ballon, mais là on va devoir rendre le ballon à l'équipe de l'Afrique du Sud, là par Antoine Dupont, une nouvelle fois qui a organisé ses avants avec Taofi Fenua là qui est venu
se mettent dans la liaison. Est-ce que cette fois-ci ils trouvent la touche? Non, le ballon sera toujours en jeu là avec Chestin Colby qui entame une contre-attaque. L'attention, il y a de la vitesse, il y a des gros appuis. Il est passé dans la défense tricolore. Il est pas arrêté, il faut le plaquer là. Chestin Colby, il est rentré dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il a été arrêté, mais qu'est-ce qui fait mal là? Chestin Colby, on est parti sur l'aile là cette fois-ci. Attention, Damien Penaud là qui s'est pris un gros raffut là, mais pour l'instant on tient le coup là du côté de la défense tricolore. Est-ce que le ballon a été lâché en avant? C'est ce qu'on réclame. L'arbitre ne dit rien. C'était bizarre. Le ballon qui semblait avoir être tombé, si finalement qu'il le signale. Mais tous les joueurs d'équipe de France l'avaient réclamé. Il a mis encore beaucoup de temps le siffler cet en avant, l'arbitre. Ouais, ça, il laisse jouer quelque part. J'allais dire ça à l'anglaise, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je sais pas, moi, Max, qu'est-ce qu'on pense? On peut en vouloir un arbitre de laisser autant de jeux? Oui. Quand c'est du côté français, on peut y en vouloir. Oui. Mais oui, mais de l'autre côté, non. Mais... Allez, on enlève notre côté coq très fier. Non, mais je pense qu'il y a, là, il y a, en deuxième mi-temps, depuis la 40e, je pense qu'il n'est pas revenu des vestiaires encore. Je pense qu'il y a vraiment 2-3 décisions pour nous qui sont. Qu'il a oublié, qu'il a oublié de siffler. Ah oui, carrément. Je suis, encore une fois, je ne suis pas arbitre. Mais là, je suis sûr qu'Adrien Marbeau, il dirait l'inverse de ce qu'il a dit tout à l'heure. Bon, on verra bien. Oh là, attention, alors qu'il y a tellement de respect pour l'arbitre dans le rugby, ça me déçoit beaucoup. Julien, vous le dirigeant. Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait un peu manger sur la part d'arbitrage ou non? Je pense que les Sud-Africains ont bien analysé cet arbitre, sa façon d'arbitrer. Ils en profitent, ils restent, ils tentent, et puis et des fois ça passe et voilà, ils nous retardent. On a eu un temps faible à négocier et on n'a pas pris de points. Donc allez. On est à la 60e. Ils filoutent un peu les Sudaf, hein. Ils sont toujours à la limite. Hein. Ça peut passer comme ça peut être sifflé. Archibald, tout pareil, même d'accord. Ouais, de toute façon, c'est la question que je t'ai posée dès qu'on est arrivé. Hein. Qui va arbitrer? Et au kiff, on sait qu'il est comme ça. Il laisse beaucoup jouer, il siffle peu. Et y a des. Moi, je préfère ça qu'un arbitre qui hache le jeu et qui siffle un peu à tort et à travers. Mais là, bon, là, c'est en être défaveur. Alors, j'espère qu'il reste 20 minutes. Allez, et qu'il va un peu équilibrer le truc. Et comme dirait Fabrice, notre grand patron, hein, quand tu t'appelles au kiff. Hein, tu prends du plaisir. Voilà, Tony, à toi. Dorian Aldeguerri qui a remplacé Winnie Antonio à la mêlée là au niveau du pilier droit et les premières mêlées pour lui à négocier. L'équipe de France dans son camp là qui est grosse poussée là des Sud-Africains, elle va être récompensée cette poussée des Springboks qui a enfoncé totalement la mêlée française dans les 22 mètres et là on va voir le choix qui